Bonsoir à tous et bienvenue dans le Stream Challenge. Ravi de vous retrouver pour cette quatrième étape de le Stream Challenge sur Puyo Puyo Tetris, un puzzle game fou sur lequel personne ne s'est joué et quel tout le monde évidemment a hâte de s'emmerder. Communément, ils sont 7 ici à vouloir se battre, 8 si Beatle arrive dans la frame qui suit. S'il n'arrive pas dans la frame qui suit, et bien évidemment, l'homme qu'il remplace, c'est qui d'ailleurs qui remplace Beatle, là, je sais même plus. C'est Ted, non? C'est Ted. Je pense qu'il faut faire un tirage au sort. Hein, ah oui, pour savoir qui remplace qui. Ah oui, tout à fait, pour savoir qui va. C'est vrai qu'il faut faire un tirage. Il n'y a pas quelqu'un qui a une pièce là? Si, j'ai un truc. Regarde. Ah, toi, t'as des trucs application. Vas-y, let's go, c'est quoi ça? Tu choisis une main, la main où il y a le téléphone, c'est Nameless, la main où il n'y a pas le téléphone, c'est Ted. Vas-y, go. Bah, gauche. Ma main gauche. Ici. La main gauche. Celle-là? Ouais, celle-là. Dommage. Tu remplaces Ted et Nameless est remplacé par Beatle. D'accord. Okay. Voilà. Je viens de voir Beatle dehors, il arrive immédiatement ici. Comment va se passer la soirée? Eh bien, ce sont ni plus ni moins qu'une ligue gigantesque des 8 joueurs qui s'affrontent ici. Le jeu Puyo Tetris t'offre la possibilité de jouer soit en mode Puyo, soit en mode Tetris. Les persos ne changent absolument rien. BO3 pour chacun des matchs, hein, ce qui va être très 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 rapide, je vous l'assure. Mon Beatelou est justement là. Beatle. Et eh bien, on va pouvoir lancer tout de suite. C'est Xari et Maxilan qui sont tous les deux sur le poste Player 1, Player 2. Donc c'est eux qui vont avoir la chance incroyable. Allez, vas-y, let's go. Commencer la première partie. Comment? Oui, c'est Maxilan qui est le vrai Player 1. Voilà. Donc tu vas dans Versus et voilà, tout se passe là. Voilà, vous faites play et let's go. C'est parti. Ok, on y va. Normalement, bonne chance, mec. Normalement, vous êtes deux. Alors, les personnages font tous la même chose. Ouais, les personnages font tous la même chose. Dès que vous appuyez sur le personnage, vous avez le choix entre le mode Puyo Puyo ou le mode Tetris. Donc ce sont deux modes de jeu très différents. Tetris, on connaît très très bien, bien entendu. Bonjour, je vais jouer le mec à lui. Bonjour tout le monde. Cloug. Et Puyo Puyo, c'est exactement le jeu dérivé de Dr. Robotnik, hein, sur Mega Drive. Si vous avez déjà joué à Dr. Robotnik, c'est normal. Quoi, question. C'est normal, hein. Question, monsieur. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Oui. Alors, je vois que Maxilan a choisi Tetris et Xari a choisi Puyo. Incroyable. J'ai déjà une question. Ouais. J'ai déjà joué à Tetris, mais pas Puyo Tetris. Ouais. Ma question, c'est est-ce que les contrôles sont les mêmes? C'est-à-dire, est-ce que je peux réserver une pièce? Est-ce que je peux descendre en une frame en appuyant vers le haut? Non. Sur Puyo, tu ne peux pas descendre instantanément, sinon crois-moi tu gagnerais pas une seule partie, et tu ne peux pas sauvegarder de pièces parce que on a un panel de pièces bien plus restreintes à disposition que sur Tetris. Donc dans Puyo, tu peux juste appuyer en bas pour descendre plus vite et faire des combos, c'est tout. Donc c'est vraiment à l'ancienne. En revanche, tous les dégâts que tu vas prendre vont pouvoir être contrés, c'est-à-dire que tu peux les renvoyer chez l'adversaire. Là où dans Tetris, généralement, quand tu prends des dégâts, ils se mettent en dessous progressivement, 4 par 4. Voilà, donc c'est un peu la seule différence. Disons que Puyo Le bouton A et B pour faire tourner la pièce. Droite, gauche, ouais, voilà. Donc les contrôles de Tetris sont bien plus compliqués que ceux de Puyo. Par contre, le système de jeu de Puyo est bien plus compliqué que celui de Tetris. Donc c'est à savoir comment est-ce que vous surfez avec les commodités. Vous êtes prêts? Le win count est à 2, donc on est bien en BO3. C'est parti. Let's go, Maxi. Bonne chance, putain. Comment ça va, mon Bitelu? Bah écoute, très heureux d'arriver sur ce genre de jeu-là auquel je n'ai que vu ton expertise. Ah, évidemment. Mais alors, sauf que tu remplaces Ted, c'est ça, hein, ce soir, hein, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et eh bien, Nameless est remplacé, quant à lui, par... Si on peut hold, regarde en haut à gauche. L'ami. Cadeau. Non, c'est les deux pièces qui vont qui lui arriver. C'est les deux pièces qui arrivent, donc c'est pas le hold. Alors toi, Maxildan, je ne saurais que trop te conseiller, comme tu as l'ombre, d'appuyer en haut pour poser une pièce et non pas en bas. Tu vas la poser instantanément. Mais c'est ce que je t'ai demandé. Voilà. Tu m'as dit non, c'est pas possible. C'est pas possible pour Puyo. Ah mais je te demandais pour Tetris, moi. Ah, excuse-moi, pardon. Ah, bah du coup, ah bah oui. Moi, je suis ça change sac tout. À merde, pardon. Non, je pensais que tu savais jouer à Tetris et que tu me demandais si Puyo avait les mêmes arguments que Tetris. Pardon. Du coup, je peux hold une pièce. Tu peux hold une pièce. Ah bah d'accord. Tu peux instant fall, bien sûr. Ah, tu peux jouer à la vitesse de la lumière. Ah bah d'accord, ok. Ah, bah, c'est beau à voir ça. J'étais vraiment à deux temps là. Donc dans le système de jeu Puyo Puyo, vous devez exécuter des combos. Voilà pourquoi Xari essaye de se creuser un tout petit peu la tête pour mettre les Puyo dans les bons sens afin de créer une réaction en chaîne façon Domino Day. Pour Maxildan, eh bien, il a évidemment une prend que sa femme comme exemple. Il essaye de faire comme madame, quelque part. J'essaye, mais vraiment, j'ai pas le talent. Il s'entraîne à s'emboîter. Xari sur sa petite chaîne. Ta gueule. Xari qui est plutôt tranquille, hein. C'est horrible. Ouais.
Il est tranquille, mais prépare son setup. Tu vois, il essaye de savoir où poser le vert. Tu vois, ça c'est malin. Le vert est très bien posé. Le jaune doit pas casser ici. Il doit attendre encore un tout petit peu. Je sais pas quoi faire là, gros. Et si tu poses un jaune sur les rouges ici, ouais, là, faut mieux vaut faire deux hits que un gros dans Puyo. Ça fait plus de points. Hein. C'est toujours la chaîne qui est favorisée par rapport à ça. Attention, tu es en train de le faire monter. Maxilan ne réagit peut-être pas assez vite. Attention, aïe. Je t'avoue, j'ai eu une première manche. En fait, j'ai eu tout le début à 2 à l'heure parce que j'appuyais que en bas et je holdais pas. Je joue vite. Ah pardon. Ça enchaîne en fait. S'il vous plaît, taisez-vous, jouez. Monsieur, il faut jouer. Ouais, appuyer en haut est évidemment essentiel pour poser les pièces le plus rapidement possible. Et comment tu holds, tu as dit Tu appuies sur R1, donc des gâchettes. Ouais, en vrai, généralement, peu importe laquelle, ça dépend quel bouton, quelle manette vous avez sur cette manette-là. Je crois que les gâchettes arrière L2, R2 fonctionnent aussi. Ouais, après, il n'y a pas 10 000 inputs non plus sur le jeu. Non, en fait, ça va aller. Tu peux configurer un peu ta manette comme tu veux au début du match, mais sinon c'est très très classique à tourner à 3 tours. Ça c'est très bon, Xari, si tu arrives à toucher ces jaunes, ça peut faire 3 hits de combo qui peuvent faire très mal. Oh la vache, Xari, il commence à voir quoi. Oh la vache, le Xari qui va direct là-dessus. Oh la vache. Alors là, c'est comme s'il avait fait un Tetris Plus hein, en parlant de langage Tetris, donc ça fait quand même énormément. Ah ouais, mais Puyo, ça peut être fort. Xari, t'as traîné un peu sur toi ou pas? Non. D'accord. Franchement, bon, là, on dirait pas. Hein. Il a une bonne vision hein, quand même. Hein. Il a une bonne vision de. À la vista de Xari. Les schémas, ouais. Il apprend vite en plus. Regarde comment tu vas le faire. Ah, ouais, comme ça, c'est vrai que ça fait. C'est pas mal en vrai. Hein. Il le build bien. Bah, c'est Max hein, qui m'inquiète parce qu'en fait, Max, il faut savoir. Trop lent. Ouais. Je sais, mais gros. Si tu fais pas Tetris, c'est back-to-back Tetris, tu vas envoyer peu de dégâts à Puyo. Alors, contrairement à Tetris, les dégâts de Puyo sont gênants. Ils arrivent par le dessus et pas par le dessous. Donc, ils peuvent tout simplement. Eh bien, un peu baiser tout ça. Ça fait très mal, Xari. Le deuxième hit envoie énormément de points. En fait, Puyo, c'est trop fort, c'est craqué. Puyo, ça fait. Ah, Puyo, c'est dur. Il faut faire combien de lignes pour envoyer de la dingue là À Tetris, il faut faire des Tetris ou des T-spins très très rapidement. Mais le secret de Tetris, c'est la vitesse. Ouais, ça, j'ai compris. Il a compris, ce pauvre homme. Le Max, il est sous pression de ces gens. C'est dur, quoi. Tu joues vite. Le Max, en fait, tu l'es pas rapide, tout à gauche, Max. N'hésite pas, Max. Il faut. À gauche, n'hésite pas. Voilà, c'est bien ça. Voilà, trouve ton rythme, c'est bien. Déblais, ne fais pas comme ça. Ça lui envoie 0 pas de dégâts. Ouais, c'est normal, c'est pas sûr. Faut vraiment envoyer beaucoup. Ah ouais, faut envoyer 4 lignes. C'est minimum 4 lignes à chaque fois, je crois, pour envoyer. Je vais jouer à Puyo. Ah ouais, j'avoue que là, je commence à. Ouais, quel coach, j'avoue là. Quand tu joues à Tetris, t'as un peu un essaim d'abeille, tu vois. Donc tu arrives et tu piques à mort, mais que des petits dégâts. Alors que quand tu joues à Puyo, tu prends une patate de forain à chaque dégât. Tu vois le mur qui a chez Max, ouais. Après, tu prends ça, une patate de forain. Ouais, ça met plus de temps. Hein. C'est bien c'est ce que tu fais, Max. Très très bien. Oh là là. Attention, c'est terminé. Ok, on va jouer à Puyo ici. Changement. Juste avant qu'on joue à ce jeu, j'ai dit à Ken, le premier match, je vais jouer à Puyo, je vais gagner. Et tout le monde va jouer à Puyo. Ouais, c'est vrai. Exactement, c'est normal. Tu m'as dit ça. Mais Puyo en même temps, quel jeu incroyable. Bah ouais, mais bon, il faut le talent de Xari pour arriver quand même à faire 3 hits combo comme ça sans avoir de la pression sur le jeu. Attention parce que Genius, c'est un peu un des seuls qui a train le jeu, il me semble. En vrai, moi j'ai joué à Tetris. Je l'ai installé. Gigi, toi t'es un joueur de Tetris. J'ai rien joué, j'aime pas ça. Ouais. Moi aussi, Tetris. Les gens connaissent Tetris et Puyo, en vrai, moi j'ai jamais joué, mais je suis tellement nul à Tetris que je me dis autant. Après, je vous assure, en vérité, c'est tellement chiant les dégâts qui viennent par le dessus quand tu joues à Puyo. Joue un peu plus vite que Maxilan, pas beaucoup plus vite, un peu plus vite. il remet le couteau dans la plaie. Tiens, prends le casque là. Alors. Il me semble que je ne suis pas aussi nul quand je joue à Tetris Connected. Est-ce que le jeu est différent? Non, pas spécialement. Après, ce qui peut être différent, c'est peut-être un peu les timings et l'ordre dans lequel arrivent les pièces. C'est un peu bizarre, Tetris. L'ordre de la distribution des pièces va te gêner plus ou moins par rapport à ta façon de jouer. Si tu joues à Tetris sur Game Boy, les pièces étaient distribuées de façon random. C'est tellement pourri que tu vas très vite. Bah oui, faut pas attendre. Sur Connected, bon, tu vois, je laisse une ligne, machin, je garde et c'est parti, cette rencontre des barres, mais...
Tetris contre Tetris. Difficile. Ah bah eux ils ont pris. Eh oui monsieur. Ah bah Tetris contre Tetris. Tetris bah là, contre Tetris. Là au moins c'est beau. C'est carré, c'est net. Ah c'est carré bien. Peut-être pas chez Genius hein, qui semble avoir une architecture un peu plus numérobicienne. Attends, il est où Genius? Attends, laisse le build son truc, attends. Il y a déjà un petit. Bon, c'est vrai que ça part vraiment mais Genius, là, mais... n'importe quoi. Mais Genius, qu'est-ce que tu branles? En fait, c'est quand je fais haut la manette, ça me fait. Bah oui. Ça pose. Vers le haut, ça pose. Non, mais en fait, la diagonale est touchée. Ah oui, alors ça, c'est les manettes de Xbox. Je conseille de jouer à la croix. Tu joues à la croix? Tu veux dire, jouer à la croix? Tu veux jouer à la croix? Ouais, bien sûr. Il faut, la croix, c'est. Ah, dommage. Dommage de perdre la première game sur ça, quoi. Crucifiède instantanément. En plus, il a créé deux lignes. On n'a pas d'excuses, hein, on avait qu'à tester le jeu avant. Mais Nanix il connaît. Hein, genre, bon, après, c'est Tetris, hein, les gars. J'allais dire Tetris, ça va, tu connais. En fait, je trouve que Puyo Puyo, c'est limite plus dur en vrai. Parce que très peu. Toi, Vitel, t'es bon ou pas? Moi, je suis plus sur Tetris parce que j'ai beaucoup joué à 99. Ah ouais, Tetris 99, c'est pas. Mais Xari, t'as déjà joué ou vraiment t'as jamais joué Tetris? Jamais joué de ma life à Tetris. Je déteste le jeu. Non, je te parle de Puyo. Jamais joué de ma life. Genre là, t'as découvert là. Non, j'avais joué la dernière fois. Alors non, on avait fait une partie dans le stream channel. Une partie. Une partie. Ah bah oui, mais une partie. Une et zéro, ça change tout. Non, il a un talent naturel. Gros, joue à Tekken contre un mec qui a jamais joué et un mec qui a fait le stream challenge la semaine dernière. Oui, mais c'est pas la même. Beaucoup plus. Ça, c'est une partie. Alors le problème de Genius, c'est qu'il crée plus de trous qu'il n'en retire. Ça va, ça va. Il s'en sort pas mal. En vrai, au vu de l'hémorragie qu'il avait au début, il s'en sort très bien. Là, Genius, il revient de très loin. Il est trop fort, Genius, en vrai. Vraiment, il est monstrueux. Il est hyper rapide. On sent le joueur. On sent qu'il est très, très, très rapide. Ses mouvements. Nanix, appuie en haut quand tu veux valider une pièce. Poser les pièces. Mais quand je le fais, à chaque fois, je me plante. C'est terrible. Il a peur. J'ai la peur. J'ai la pression. Norman, qui arrive. J'ai foiré mon début. Il est très, très haut. Il a. Et ben voilà, tu fais bien de le dire. En plus, t'as foiré ton début. Alors imagine, t'es 10% de tes capacités. Allez, vas-y, Norman, là, montre-nous tout ce que tu sais faire, Norman. Voilà, c'est ça qu'on veut, Norman. Le joueur de Versus. La vitesse. Voilà. Norman, peut-être. Norman, tout de suite. Voilà, Norman. C'est ça. Il a quand même plus d'un trou dans son sac, hein, là. Elle est pas mal. Elle est validée. Je dois bien t'avouer. Ah, c'est ton moment, vas-y, Tetris. Oh, qui envoie une dinguerie. Il essaye de survivre, Norman, mais là, c'est compliqué. Ah, Norman, c'est compliqué. Il est sous pression là-dessus. Norman Genesis, man. Tellement la crise. Attends, il peut s'en sortir encore. Il a des bonnes pièces qui arrivent. Oh, mais il va voilà, si vite. Let's go. Le joueur de Versus. Oh là là, et il va, il se sauve, du bourbier dans lequel il était là. C'est incroyable. Oh là là. Norman Genius. Il faut une ligne. Oh, le Tetris dans deux pièces. Maintenant. Attends, allez, par contre, les gars, il y avait un trou. Les pas non plus, c'est une compétition quand même. Bon, là, non mais ça va, comment veux-tu l'aider? C'est une barre. Quand tu lui dis que dans deux pièces il y a une barre. Mais c'est marqué. C'est écrit quand même. Non mais les gars, moi quand je jouais, je pouvais pas regarder les pièces à droite. Mais c'est Genius, c'est un joueur de Tekken. Il faut regarder plus les pièces à droite que les croix. J'entends bien, je vous dis juste que tranquille, il y a de la thune en jeu. Sont tous les deux. Même si je sais que vous payez pas. Sont tous les deux très très hauts. Mais attention, Genius n'a pas la bonne pièce et il vient de. Je ne paierai personne au cas où. Oh là là, c'est pas bon. Aïe. Oh, c'est pas bon ce qu'a fait Genius là. C'est vraiment pas bon. Est-ce qu'il va reprendre une ligne en plus? Il s'en sort. C'est. Ouais, il réussit à être très très haut et à survivre. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il a fait. Il est obligé. Il est obligé, le frérot, il est fort, Genius. Il s'en sort, mais c'est incroyable. Genius, il s'en sort. Mais Genius, qui va le Tetris, le Genius. Regardez la concentration du Tiger. Incroyable! Non mais normal, cette remontée incroyable! Je trouve que dans le commentaire, on est un petit peu trop pour lui. Non, c'est jamais one-sided. En fait, tu remplaces Ted et Ted, il faut qu'il reste dernier, gros. Donc. Genius qui a mal décalé son commencement. Il joue tellement vite, Genius, malheureusement. Je pense que tu joues à Pouillot contre lui, tu te fais détruire. En fait, Genius, il est en mode tant pis si j'en loupe une ou deux, au moins j'en vois. T'as pas vu Ken jouer, les gars, c'est ça, quelqu'un jouer vite. Après, les. Clairement, Ken, ça va vous faire bizarre. Après, c'est son jeu, Ken, ça va. Après, j'allais dire, c'est le jeu de Ken quand même, les frères. Ouais, mais tu vois, il y a des jeux où, tu vois, genre Junpei, il était bien plus fort que nous à Rocket League. C'est vrai. Mais j'étais pas en train de me branler sur son niveau de jeu. Vous allez voir que Ken, c'est un truc quand même. Ah, mais oui, mais d'accord, mais Ken. C'est un jeu impressionnant auquel personne joue. C'est exactement ça. C'est vrai. Il a raison. Il a raison. Désolé de vous dire ça, mais c'est comme Genius la semaine dernière sur Tekken, tout le monde se branlait sur son level parce qu'il nous bêtait. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a fort.
Genius, il a un vrai niveau quand même. Quand t'as un vrai. Ah non, mais il a un vrai niveau par contre. Mais je veux dire, tu vas être impressionnant parce que nous, on n'a pas l'habitude et c'est des jeux spectaculaires, je trouve. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un est vraiment meilleur que toi. Ma femme, quand elle joue à ça, je peux la regarder pendant une heure jouer à Tetris. C'est un côté très satisfaisant. Elle est en mode, mais tu veux jouer? Je me dis, non, vas-y, joue, je te regarde, j'adore. C'est vraiment. Hypnotise moi. Tu sais que j'ai regardé un petit peu le stream challenge de mardi, je pense que Norman, honnêtement, j'aurais pu te prendre 2 points. Ah voilà. Il rigole. Désolé Norman, mais t'es à chier. Tu as touché dans son ego, mais il est quand même reparti tout en bas. Pas mon ego. Excusez-moi, mais semble quand même très très. Excusez-moi, mais il est monstrueux actuellement. Ouais, il est vraiment là, bien. Il gère très mais Norman, très t'es un joueur de Tetris un peu ou pas? Il va remettre sa barre impeccable. Et là, il y a Tetris, ça va tuer. Oh, mais pourquoi t'as pas fait ça? Mais il s'en fout, il a un hold à côté. Mais tue-le tout de suite, faut pas qu'il redescende. C'est une question de timing. Calmez-vous quand même. On t'aime, Nanix, on t'aime. On est d'accord qu'il y a un peu d'aide. Non mais il y a un moment, il faut tuer, il faut pas faire durer quand le double tête. Comme l'homme t'es à moitié mort. Ah c'est bien ce que tu fais Nanix, là tu nous fais rêver tellement haut. Vas-y pose ça à droite. Hold ça, appuie sur le bouton R si t'en veux pas. Tu peux toujours holder une pièce, n'oublie pas. Ah c'est compliqué là. Ah, il veut pas holder. Ah, comment est-ce qu'il fait? Oh je ne sais même pas où est-ce qu'il veut. Mais Genius il va si vite, je suis choqué gros genre. Tellement haut. Genius il est là. Genius il est pas deuxième, je comprends pas. Il était vraiment bon. Genius est vraiment. Genius il a été impérial. C'est au tour de Jumpé et de Gigi de jouer. Ah bah là ça va, mais attends, je t'affronte. Ça va moins vibrer là. Non, on va faire jouer tous les matchs et ensuite après on va. Genius. Oh, je vais me régaler contre toi du coup ça. D'ailleurs. Hey, attends, mais gros, mais comme dirait F. Morpheus. Ouais, Max. Si tu peux expliquer un petit peu aux gens, toi en fait Ken, tu vas jouer à la fin. Ouais, j'ai joué tous mes matchs à la fin. C'est-à-dire qu'en gros, on va tous se laver et à la fin, il va nous montrer le Kung Fu. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ah oui, genre, c'est vraiment... Ok. En fait, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait sur Tekken avec Genius. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Genius, du coup, il a joué contre des mecs qui, pour certains, n'avaient jamais joué au jeu. Non, évidemment. Alors que sur la fin, ça a peut-être été plus intéressant. Ouais, on fait, c'est vraiment pas con. Et surtout, si les gens qui le regardent... Direct retry, non ? Oui, oui. Ils ont envie de voir le mec fort, tu vois. Bien sûr. Donc, clairement, vous allez attendre dans deux. Allez, on est parti, moi. Clairement. Restez jusqu'à la fin, quoi. J'ai pas compris ce qu'on a dit, mais ok. Yes. Ouais, prenne-moi. Donc je vous rappelle évidemment que avec le bouton L et R, où, vous pouvez stocker une petite pièce si jamais celle-ci ne vous plaît pas. Et ensuite avec le bouton O, vous pouvez poser la pièce de façon instantanée. Ouais, tu peux glisser cette pièce-là, Gigi, dans l'endroit qui te semble impossible. Faut que tu la speed. Ah ouais, d'accord. C'est complètement possible. Tu la speed, tu peux. Ouais, mais je vais pas le faire parce que... Alors Max est debout. Bah, j'avoue que je suis assis toute la journée, donc j'ai un peu plein le cul, mais vas-y, je m'assois. Pas de problème. Alors il faut savoir qu'il existe des moyens de comboter à Tetris. Donc vous avez la possibilité de faire des 1 hit les uns plus les autres si vous ne posez pas de pièces sans faire de casse. Mais eh bien il faut quand même être très très haut pour que ça ait une efficacité énergétique relativement rentable. Le mieux reste de faire soit des Tetris, soit ce qu'on appelle des T-spins, donc créer des endroits où on peut mettre le T, donc ce fameux la pièce violette. Voilà, la pièce violette, tout à fait, dans un endroit où elle n'est pas censé rentrer d'habitude. Il existe des formes particulières qui permettent d'exécuter des spins et c'est souvent ce qui fait le plus de dégâts parce que c'est ce qui permet de faire un dégât max en le moins de lignes possible. Un T-spin double, tu peux le faire sur 2 lignes seulement, là où un Tetris va falloir 4 lignes, donc beaucoup plus de tétraminos pour faire un Tetris avec quasiment les mêmes dégâts en récompense. Donc là, Gigi qui patauge un peu dans la smooth, et c'est vrai qu'il a un côté gauche un peu ouvert, il se dit je vais faire un Tetris là, mais en même temps les pièces ne me conviennent pas. Tetris du côté Tetris de Jumpé qui a taffé un très bon build-up pour le moment. Le Rio de Janeiro très Paris, il a joué au Tetris, tu sais qu'il y a dans l'avion là, celui avec la télé. Il est incroyable, avec le chargement, c'est ça. Il est incroyable. Tout le monde a essayé de jouer à cette merde avec la fausse NES. Avec la fausse télécommande. Nintendo là. Oh y'a Tetris encore de la part de Jumpé, Gigi qui est dans la sauce directement là-dessus. Gijou qui va prendre. Instantanément sa part de Tetris de la part de Junpei. Très très bien joué. Après Gijou, je pense que là maintenant il est très très fort. Regardez bien le réveil du tigre. Allez. Alors là Gigi il veut gagner, on le sent. Notez que ça va tellement vite de la part de Jirai. C'était tellement en mode tout le monde va jouer à Puyo, mais en fait il y a que Zarya qui a joué. En fait c'est juste que gros, moi je te dis genre,
pense honnêtement, vu que j'ai jamais joué à Tetris, contre un mec qui joue à Tetris, je pense que j'ai perdu. Ah oui, oui, je pense que c'est Gigi. Oh, Gigi, il a quand même très très bien joué. Il a perdu, mais t'as vu comme il va vite. Il nous fait rêver. Oh oui, c'est exactement là où il fallait poser Gigi. Le Tetris en contre. Oh Gigi. Allez, il est juste un tout petit peu plus lent que Jumpy, mais au moins il est propre. Et c'est là, c'est carré. Franchement, il faut jouer très bien son espace, c'est parfait. Toujours laisser une espace pour le carré. Le problème dans Tetris, c'est que j'ai le syndrome du s'il y a un trou, j'ai perdu la game. Ah ouais. Je suis pas assez fou. Allez, Gigi qui nous rend 2-3 combos là. C'est pas vrai, il faut savoir que parfois les trous. Ouais, mais des fois, quand tu vois les finales, ils font des trous, mais en fait, les trous se remplissent derrière. Exactement. C'est trop fort, mais bon. C'est des buffs. Et ouais. En tout cas, là, vous vous débrouillez vraiment très très bien. Je suis fier de vous, les gars. Même si Gigi est un peu haut, Norman, il est redescendu très très bas. Il peut redescendre, il garde des bonnes caisses. Il a fait une mini-erreur, hein, Jumpy. Il va pas pouvoir faire énormément de dégâts sur la prochaine attaque. Laisse gagner. Ça peut permettre peut-être la Gige. Un misclick de la part de la Gige alors qu'il était très bien parti dans cette game. Par contre, plus jamais jouer au stick. À droite, c'est droite. Ah bah ouais. Ah non, mec, faut jamais jouer au stick. Tu fais vers le haut, mec, le truc qui part. Ah oui, non, jamais. C'est pour ça que le hold, je voulais pas le faire. Ah ouais, mec, c'est horrible. C'est quoi le hold? C'est rush, tu sais, garder la touche. Ah mais ça fait quoi? En fait, ça te sert la touche de côté. Tu peux la réutiliser quand tu veux. Tu as utilisé quand tu la réserve en fait. Elle est de côté et quand tu rappuies, la pièce en cours échange et du coup tu joues la pièce. C'est ça. Ok, Gigi qui arrive à sortir un petit peu de son bourbier là-dessus. Ah ouais, c'est fort. C'est vrai que la longue pièce, je la garde. C'est du coupé-collé. En général, tu mets ça de côté. Voilà, très bien. Gigi garde la barre. Et dès que t'as un trou. Il est pas bien de jumper. Gigi, si tu t'en sors. Là, si t'arrives à t'en sortir de ce truc-là, je pense que c'est game. Ouais, plus la game est serrée quand même en vrai. Ah, là c'est assez serré. Il est ouf ce jeu quand même. Il est ouf. Le top du top, c'est que tu gardes une barre. Et en fait, dès que t'en as une autre, en fait, tu joues les deux barres d'affilée. Et là, du coup, le mec, tu l'encules. Ah, dommage pour Gigi, dommage. C'est dur, vraiment. Aïe. Ça, ce genre de pièce, à ce moment-là, c'est terrible. C'est terrible. En fait, il faut toujours les. Ouais. En fait, ça vient du mauvais placement de son carré. Jiraya a passé un carré au mauvais endroit. Il l'a passé à gauche, à droite, alors que tout à gauche, il y avait une place pour lui. Et ça a décalé tout ce qui pouvait faire. Allez, tu peux le faire, mais ouais, c'est pour ça qu'il faut pas jouer la pièce pour la pièce. Faut jouer la pièce par rapport à ce qui arrive après. C'est le plus dur à Tetris, en vérité. Ah, les deux ils sont dans le mal, hein. Là, oh, il y a une erreur du deuxième côté. Il arrive à tenir, Immortel. Oh, le cube. Swipe, okay. Swipe, Gigi. C'est bien. Tetris Grandmaster. Gigi Survivor là. Attention. Tu peux le mettre si tu swipes encore. C'est carré. Grandmaster. Attendez, il va peut-être réussir à s'en sortir de cette situation. Infernal. Oh non. Bien joué. C'est dommage. Jumpy a réussi à rester jusqu'au bout quand même. Et la grosse barre, met un stop direct, ça va être à toi, Beatle. Yes. Et je pense que c'est au tour de Xari, hein, c'est ça, il me semble. Xari le retour. Ah ouais, pourquoi? On a déjà tout joué là. Pourquoi? Okay. Tout le monde a joué sauf Ken, effectivement. C'est ça. De toute façon, en régie, ils ont peut-être la liste des matchs et tout, ils doivent savoir où est-ce qu'on en est. En fait, on va faire dans l'ordre qu'on veut, donc le mieux c'est que... Oui, mais à la fin, il faut qu'on se souvienne qui... Chacun doit faire combien de matchs? 6. Ah, tu notes, ok, c'est bon. Le mieux, c'est peut-être qu'un joueur enchaîne les matchs, comme ça, au moins, on est sûr qu'on n'oublie pas, les matchs. Franchement, Jiraya, ta survie en hauteur est quand même exemplaire. Mais je sais pas, placer, tu sais, en fait, c'est les pièces, les zigzags, là, les Z, là, les Z. Verts et rouges, et ça me baise à chaque fois. On va pas se mentir que la vie en hauteur avec ces pièces-là, c'est dur. Ouais, c'est très dur. Mais après, attention, parce que Vital est un joueur. Non. C'est monsieur Nintendo. Je suis clairement pas au niveau de monsieur. Alors attends, parce que je vois que tout le monde joue à Tetris, toi, tu vas jouer à Tetris aussi. Ken? Non, Puyo. Ah merde. Non, Ken il joue à Puyo, les gars. Je voulais te voir sur Tetris. Ah, Tetris. Bah, je jouerai les deux si vous voulez. T'inquiète pas qu'il régale sur les deux. Alors, Xari qui est reparti dans son mode Puyo, Beatle joue évidemment à Tetris. Il a raté un tout petit peu son passage ici de son J sous le S, mais c'est pas grave. Je suis rejoint par Jumpy. Oui. Oh, Jumpy, quel performant. Ah, t'as un peu Tetris. Non, vraiment pas. Vraiment? Non, je voulais. Parce que c'est propre, c'était ultra carré. T'es quelqu'un de maniaque dans la vraie vie? Pas trop, mais tu sais, j'avais. Alors, je sais pas si tu t'en rappelles, mais j'avais, tu sais, les espèces de games de consoles de jeux là où t'avais 99 jeux en un. Ah ouais! Mais il y a 1000 ans, quoi. Vraiment, quand j'étais un gamin. Oh, les souvenirs. Et du coup, il y avait Tetris dessus. Il y avait Tetris dedans. J'avais joué un petit peu, mais bon, c'est. Les souvenirs sont lointains, mais les réflexes sont présents. Incroyable. Ah, ça remet de hit du côté de Xari. Il faudrait réussir à faire 3 pour faire énormément. J'aimerais bien, mais c'est pas si facile. Et là, tu peux pas aller plus vite avec tes pouilleux là.
En fait, appuyer en bas, c'est la vitesse maximale qu'il peut faire. Ah, ouais. Tu peux pas appuyer haut pour directement. Non, ce serait, c'est vraiment trop craqué. C'est pas mal déjà, ça va vite. Regarde, quand il appuie, c'est parce qu'il appuie pas en fait. Ouais, c'est dur, hein. J'essaye de me concentrer quoi. Ouais, les puyaux descendent plus vite que les tétraminos hein, dans le jeu de base. Hein. Donc, c'est un jeu qui te met de base sous tension. Ça, c'est bien joué comme ça. N'oublie pas, tu pourras décaler peut-être un bleu juste en bas. Faut que tu focalises ton starter. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Et une fois que tu sais quelle pièce casse en premier, tu regardes quelle épée d'avalanche il va y avoir juste derrière. Alors attends, du coup pour que Xari dépose des cubes par le haut, il faut qu'il fasse un combo minimum de 3, c'est ça? 4. Ouais, 3 ça fera déjà des dégâts. Là tu vas même faire 3 hits. 1, 2, 3. Ah oui d'accord, je vois ce que tu veux dire, pardon. Et tu vois les 3 hits qu'il va faire, ça fait des points et regarde les dégâts. Ah ouais d'accord. C'est pas des connards non plus. Xari hein. J'attaque, là je mets que les petits là. Oh là là. Oh il y a un bruit. Oh non. C'est trop fort. Il est tellement trop fort. Et le hit posé. Je vais jouer à Puyo. Je vais jouer à Puyo. Ah, mais attends, c'est craqué, attends, vous avez tous dit ça. Vous avez tous joué à Tetris. J'ai pas encore rejoué moi. Tiens, pour toi mobile, il était peur. Je suis dégoûté en vrai. Puyo est un peu avantageux. Désolé mais si l'adversaire joue à Puyo, faut go jouer Puyo. J'avoue c'est Puyo va. En fait c'est dommage. Enfin je sais que le jeu est pensé comme ça, mais je trouve ça plus intéressant de voir un Tetris versus Tetris et un Puyo versus Puyo. Parce que là t'as quand même l'impression que Puyo baisse Tetris. Ouais mais enfin je vous assure qu'à haut niveau c'est pas du tout le cas. Oui mais on n'est pas au niveau. Mais, c'est ça, exactement. Mais même à bas niveau en fait Tetris s'en sort très très bien parce que vous pouvez poser les pièces plus vite. Ce que fait Xari, c'est pas facile. En fait, faut vraiment que vous adaptiez dans votre. Non mais c'est hyper dur. Moi je suis en train de réfléchir à ce qu'il fait. C'est Tetris. Voilà. Xari joue bien en fait. Je vous assure qu'il joue bien. Il joue vraiment très très bien. Merde, tu vois là j'ai mal pensé par exemple. Ouais mais justement laisse tes bleus, ça fera ton deuxième starter. Mets les autres bleus, les casse pas. Et ensuite remets une couleur au milieu des bleus, etc. Enfin tu vois un peu le principe. Allez, Bittel. Allez, pas de bleu. Il faut jouer un tout petit peu. Ah, les bleus. Allez, j'attaque quand même. Là, c'est une petite attaque. C'est deux hits un peu fort. Ça fait trois lignes sur le cran de Bittel qui est propre pour le moment dans sa construction. Il va décrocher un continent. Laisse tomber là. Ça va mais qui ça, fait pas trop de dégâts. Vraiment, Bittel, sans Tetris, tu n'impacteras pas du tout le jeu de ton adversaire. C'est ça le véritable problème. Je sais bien. Il va falloir monter plus haut. Je pense que dès que tu as une barre, tu la stockes. Et ensuite, t'essayes de créer ton Tetris. C'est un petit peu ce qui est prévu. Le mec. Voilà, la barre stockée. Voilà. Et maintenant, t'essayes de faire ton Tetris. Voilà. Ça va à gauche. Ah, ça va au centre. Savoir, tu vois, Xari, il est pas. Il est pas n'importe quoi. Ouais, il est pas à chier, hein, vraiment pas. Non, il a une logique. Là, si tu casses les mauves, tu fais très mal, Xari. Ouais, je suis bien au courant. Voilà, tu tournes. Merde, si, tu peux. Voilà. Et là, regarde, le 3 hit là va faire très mal à Bittel. Voilà, c'est fini. Bien appuyé. Finito, Harry. Ouf. Mais c'est n'importe quoi, gros. Bah ouais, mais les gars, c'est la vie. C'est n'importe quoi, gros. En fait, c'est aussi que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'attaques de la part de Bittel. C'est pas dur, c'est pas mal. Mais c'est surtout que. J'ai quand même pas l'impression que Xari soit sous pression, tu vois, il joue tranquille quoi. Bah en fait, je joue juste doucement parce que je préfère faire mal quoi. Mais oui, mais normalement, tu devrais pas avoir le droit de jouer doucement, tu vois, tu devrais devoir jouer aussi vite que l'autre. Ah, hater dans le. Non, mais sincèrement, Bittel joue pas vite et il fait quasiment pas de ligne donc. Ouais, bon, peut-être qu'en face il a chié aussi. Il a 8 points. Il a 8 points. Non, mais moi, j'ai été dégoûtant, tu vois. C'est très très peu. Faut voir Xari contre un mec un peu meilleur, tu vois. Oh, ça va se voir, truc. Ouais, ça va tuer. Je pense que ça va tuer. Le 2 hit reste quand même assez appuyé. Bittel va remonter encore. Allez, maintenant faut tout casser. Stock ça. Ouais, bien joué. Voilà. Essaye de détruire tout ce que tu peux. Mets le plus à plat. Et puis il en remet derrière. Il a compris. Il a compris, Xari. Non, c'est un BO2. Mais c'est Puyo. Puyo. Allez, Xari, reste ici. Tu vas enchaîner. Puyo, Puyo. Moi j'ai déjà joué contre lui, donc c'est à vous. Pouillon, pouillon. À quel tour? C'est Gigi. C'est Gigi. Gigi, tu veux jouer à Pouillon, Pouillon? Ah, bah ouais. Évidemment. T'inquiète, on va tous jouer à Pouillon. Pouillon, Pouillon. Toujours un mec qui joue Pouillon, oui. Pouillon, Pouillon. Je joue Pouillon, ça va être terrible. Mais en vrai, c'est bien rigolo. Je vais jouer à Pouillon, mais je serais à chier sur Pouillon. Mais si vous vous accordez pour jouer tous les deux Tetris, je pense que c'est bien aussi. T'as vu que moi, je suis trop nul à Pouillon. On restera Tetris jusqu'au bout. On restera Tetris, nous. Ouais, écoutez, les mecs, ça sera pas à voir. Moi, j'ai vu un petit Sharingan dans l'œil de Jiria. Ah non. Il a regardé un peu comment t'arrives. J'ai dit, mais c'est possible. Moi, je sais faire ça. Genius, il attaque très vite. Je pense que je
pas serein. Ce que j'ai dit à tout tout à l'heure, c'est j'ai dit je vise si j'arrive à faire 6ème. Fait trop mal, en fait, c'est trop mal. Très trop mal. Moi, je ne pas à Tetris. Non, non, je suis, j'ai conscience de mes limites. J'ai rien à 16 sur 20. Et c'est le premier Puyo contre Puyo ici. On a les mêmes pièces ou pas? Les mêmes pièces, exactement les mêmes pièces. Tu peux copier comme une merde. Tu peux copier comme une merde si tu veux, tout à fait. Ce qui, arrivé à un moment, ne sera pas équivalent puisque vous allez souvent prendre des petits dégâts à droite ou des petits dégâts à gauche qui vont déséquilibrer le truc et rendre ça un peu plus asymétrique. Ah, c'est assez intelligent là, ce qu'est en train de faire Jiria, mais je sais pas s'il en a conscience justement. Non, j'en ai pas trop là. C'est, si, là, c'est bien, là c'est bien. Le problème de Puyo, c'est que ça peut vite te démolir le cerveau en mode attends, mais je réfléchissais à un truc, mais l'idée de faire des pâtés de 3. Parce que c'est à partir de 4 que ça détruit. C'est la bonne, bonne strat. Tu réunis 3 couleurs un peu pareilles, tu mets des couleurs un peu partout et ensuite t'en détruis un et t'espères que ça fasse des chocs à pic, tu vois. Ah, mais c'est ça. Attends, c'est pour ça en fait que Xari s'en sortait bien aussi. C'est que, en fait, comme il attaquait en premier, il ne s'est jamais fait attaquer. Oui. Donc, en fait, c'est vrai que sur Puyo, les blancs, là, ils tombent du plafond. C'est chiant. Et ça casse les couilles. Ça casse. Donc, en fait, si tu arrives à prendre le lead dès le début, tu baisses le game. Voilà, attention, voilà, l'attaque de Xari est très, très forte. Oh, la vache, prendre deux lignes. Vous avez vu, directement, il est sous. Et là, bon courage. Énormément de caca. Ce qu'on appelle les Ojama Puyo. Ojama, c'est gênant en japonais. Ah ouais, c'est pour ça que dans Yu-Gi-Oh! C'est Ojama, ils sont infâmes. Exactement, les Ojama, c'est les chieurs, globalement. Ah, Gigi, là, qui est. Je suis dans la sauce. Il est acculé. Il est acculé. Ah ouais. Allez, c'est toujours possible. Mais Puyo, c'est alors, quoi, en vrai. Il faut savoir que vous pouvez détruire donc ces Puyo incolores en détruisant des Puyo autour. Donc quand tu es dans cette situation, j'irai voilà. Là, c'est pas mal. Détruis c'est pas mal. Et tu vas creuser c'est ton bien, trou. Bien, allez, commence à comprendre un tout petit peu les mécaniques. Là, j'ai l'impression, Xari, il est pas mal son schéma, même s'il manque quelques connecteurs rouges pour être très très propre. Oh, ça tournait dans le mauvais sens. J'ai entendu la douleur. La douleur de la mais tournure. Là, je suis acculé le terme. Ouais. Si vous pouvez remplacer la lettre. Ouais. Ouais. Pardon, j'avoue, il a des escaliers de Puyo et entre, il a des escaliers d'incolore, ce qui est pas bon. En plus, il en a remis une ligne là. Jiraya qui est très très haut. Par contre, attention. Dès que vous touchez la croix, c'est fini. Oh là là, mais Xari, il est trop fort, Xari, il est injouable. Il a un doctorat sur Puyo. Il est injouable. Jiraya, il avait quand même un setup que s'il arrivait à en faire péter un, ça faisait un bel escalier. Xari, deuxième. Le grand boss des mathématiques. Fermé là, Xari, incroyable. Il est monstrueux. Xari, premième ce soir. Le niveau d'études qu'il faut avoir pour avoir son niveau de jeu, c'est c'est trop violent. Le mec il dit une espèce hein. Il est invincible. Du coup en détail je me paie les études. Je pense qu'il a un doctorat en ingénierie civile hein. c'est pas minimum. Donc là le schéma qui est en train de faire Xari s'appelle un schéma cross cut. Donc c'est le fait de mettre des pouillots au milieu de en maille les uns au milieu des autres. Donc là il y a un incolore qu'il va pouvoir utiliser pour pouvoir faire son coup. Mais instinctivement il a déjà des schémas qui sont vraiment des schémas type. J'adore être dans le cerveau du fast pour comprendre. Vous êtes trop dans la vie, ça me fume. J'avoue, en vrai, on est d'accord que ta strat, c'est je fais des blocs de 3 partout et quand ça pète, ça pète. Déjà, il a compris que casser juste une mine, ça ne sert à rien. Voilà, ça fait 2 hits encore. C'est bien. Encore 2 hits à chaque fois. Réaction, mais que du 2 hits constamment. Toujours le. Il est trop fort, mais il est injouable. Il a son prime. Il a son prime, c'est terminé pour nous. Double combo millénaire. Non, mais tu peux vraiment revenir avec ce que t'as, Jiria. Il suffit juste que tu penses quand même à casser un peu. J'arrive pas. Je sais pas. Vas-y. Détruit. Voilà, là, il y a 2 hits qui partent. Il y a quand même pas mal de choses. Il peut se passer des chocs à pic, on ne sait pas. Chocs à pic. Il faut toujours essayer. Ne jamais lâcher. C'est vrai que ça va si vite. Ouais, ça va vite. Le jeu, ça va vite. Ah, mais là, Xari, tellement bien. T'as plus le temps de réfléchir à l'énergie. Ouh, attention, ça peut faire mal. Oh, ça peut faire mal. Tu vas littéralement
qui est impressionnant à Puyo, c'est les comebacks que tu peux faire. Et littéralement, il a le désannusé jusqu'au bout. Oh là là, Puyoté. Et Ken, si on m'avait dit qu'il y aurait cette ambiance sur du Puyo Puyo Tetris, j'aurais pas parié. Ça joue sa vie, hein. Ils sont en train de réfléchir, tu sais, t'as les racines carrées et les trucs dans la tête, comme le mime. Ouais, le même. Ils sont là. Mais oh putain, qu'est-ce qui se passe? Là, Jiraya, il a un peu chaté. Mais c'est le truc, c'est le truc de ce jeu, c'est que tu peux vraiment chater et sortir du groupe. Attention, parce que j'ai l'impression que là, il a terminé de chater, comment Xari. Il est en train de faire des prêts. Très énervé, Xari. Il y a deux hits qui partent, il l'a gommé, tu vois. Avec un seul gros hit, il a réussi à annuler les deux hits, il va en remettre un petit coup derrière. Et construit uniquement sur la quatrième et la cinquième colonne, ce qui est vraiment pas mal. Mais ce combo de Gigi quand même, il était rare. Il attend son heure, c'était beau. Je crois bien que c'était le meilleur mouvement de la soirée, quoi qu'il arrive. Ouais, pose ton move sur le jaune. Ah merde, trollé. Ouais. Faut mieux poser le move sur le jaune. J'avais bien compris, hein, mais. Je vais essayer Puyo quand même, par curiosité. Ah bah tiens. En vrai, je vais en faire un aussi. Alors, c'est un des seuls jeux que vous pouvez apprendre en regardant les autres jouer. Mais genre vraiment, parce que autant Tetris, vous regardez les autres jouer, jamais, si vous n'avez pas le skill dans les mains, c'est mort, vous oubliez. Là, Puyo, vous regardez les autres jouer, vous comprenez peut-être déjà un peu plus comment il faut mettre les couleurs dans vos têtes. Ouais. Essayez aussi de faire deux hits, et toujours mieux que un. J'ai l'impression que le gap entre. Oh, elle est belle celle-là. Elle est belle. Oh, la Gige là qui en vend un. Là, très joli combo là. J'ai l'impression que le gap entre débutant et moyen est plus facile à acquérir sur Puyo que sur Tetris. Ouais. Le haut niveau. Par contre, le très haut niveau doit être assez dingue. Ouais, c'est assez très dur à atteindre. Oui, bien joué, posé à plat avec les verres aussi dessus, bien sûr. Et tu remets le move au-dessus. Non, faut pas casser comme ça. Faut que tu construises vraiment un combo en redescendant. Jiraya, il a des blocs de 3, c'est très bien, mais il lui manque de verres pour pouvoir connecter la colonne de verres qu'il a sur la quatrième. C'est pas grave, pose tes verres sur la quatrième et on sera très bien juste après. Hein, c'est pas trop mal en vrai. Oui. Merde, j'ai trop les deux. Ah, les deux qui sont au coude à coude en rien là. C'est plus que du coude à coude. Ah, c'est ça, réfléchis. J'ai l'impression que Jiraya a débloqué un truc dans sa tête, non? Ouh, c'est bon, t'as les deux mots. Surtout remplis pas cette colonne, malheureux. Aïe. C'est comme s'il avait mis un plug anal dans le seul trou qui lui restait du vent. Gros match. Ah, je me suis couru à la fin, tellement mieux Puyo que au début t'es lent, mais après ça va vite hein, quand même. Ah bah oui, ouais. Ça va super vite quand t'as les blocs. Puyo, c'est incroyable. Zari, tu restes et c'est au tour de Norman Genius, le génie de ces dames. De Tetris. Par contre, Genius il va me fumer là. Tu vas faire Tetris ou tu vas faire. Il va faire Tetris, il est trop fort. Tetris, carré. C'est le Tetris fou. 12 building, il va en faire 3, ça. Il est trop fort. Il appuie en haut, Norman, tu serais fier de perdre contre toi, mais. Moi aussi. Moi, je pense qu'il va se passer, ma gueule. Putain, Gige. Norman, c'est incroyable. Mais on va faire 0 truc, c'est tout de suite. Norman, j'ai tellement envie de te sucer. Pour l'animation. Non, mais. Ah, d'accord. Allez, Norman, tu reviens sur Tetris hein, quand même. Si je perds, j'essaierai quand même. Je pense que je vais faire exactement. J'essaierai quand même un machin, parce que quand même, faut pas déconner. Ouais, machin, quand même. Alors on va voir comment est-ce que Norman s'en sort justement à Tetris. Il va vite quand même. Il est chaud, il construit très bien. Vous voyez comment est-ce que Norman est en train de construire? C'est normalement un schéma pour faire des combos. Donc avec 3 colonnes de libre, tu vas pouvoir faire des combos et enchaîner les hits les uns après les autres. C'est normalement un schéma qui est très utilisé à Tetris, c'est ce qui fait le plus mal hein, d'ailleurs à un Puyo Tetris, c'est ce qu'on appelle soit le 3 wide, putain en anglais quelle horreur, ou le 4 wide, encore mieux si vous laissez 4 colonnes de libre, et c'est un des schémas qui peut sanctifier. C'est bien, pour mettre les cubes. En fait, tu vas laisser 4 colonnes de libre, et ensuite tu vas faire que des 1 hit, jusqu'à en faire 20, comme ça, et ça va envoyer des dégâts sur le 20ème hit que tu envoies, ça va envoyer des dégâts. Je savais pas monstres. Que si tu faisais des 1 hit si, à la suite, ça combat du combo d'accord. Des paliers, je crois que c'est 2, ensuite 4, puis palier. C'est plus dur à faire, mais ça fait plus mal. Exactement. Ouais, okay. Et dès que tu augmentes des paliers, les dégâts sont multipliés, vraiment. D'accord. Et c'est très fort. Il faut aller assez vite, hein, parce que le timer pour la remise à zéro, il est quand même... Ah, c'est pas la pièce. C'est la pièce. Faut juste pas poser de pièce dans le vent. Tant que tu poses pas de pièce dans le vent, ton timer, il est encore là, tu peux prendre le temps que tu veux. Et c'est même très fort de pouvoir prendre le temps que tu veux. Norman, il en résiste. Tu peux vraiment réfléchir et contrer ce que tu comptes. Oh, c'est pas mal. Xari, malheureux. J'ai trollé. Quand un mec qui pèse, il pèse. Hein.
Il remonte très 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 normal. En mode défense, Norman, mais faut pas boucher les trous. Si tu veux déboucher, tu rebouches pas derrière, Norman. S'il te plaît. Non, c'est pas toi, Xari, tu es merveilleux. Non, mais là, je troll quand même. Pourquoi les blocs là, c'est beau. Là, c'est beau. Norman, il y va, Norman, il y va. Norman, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Il est trop fort, Norman. Attention. C'est son level. Pourquoi les blocs sur Tekken, hein. Pourquoi les blocs qui tombent sur Xari n'ont pas il y va, il fait des combos, Alors, monsieur Dabla. Pourquoi les blocs qui tombent sur Xari n'ont pas quoi? N'ont pas le même design que tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait des petites têtes et là, c'était carré. Je pense que en fait, c'est Tetris qui t'envoie les dégâts. Donc, c'est des dégâts, ils sont Tetris. Mais c'est la même chose. C'est comme, tu vois, lui, il a des petites têtes de pouillon. Oh là, normal. C'est un man. C'est l'inverse. Là, ça vient du dessus. C'est très dur. Ah, il est bouché. Non, Xari, c'est pas fini. C'est pas encore fini. S'il met tous les bleus les uns avec les autres, c'est pas fini. Ah, on peut pas mettre ça là, par contre. Oh là là, normal. Mais il est trop fort. Qu'est-ce qu'il est fort, le bonhomme. Tu le maîtrisais, t'étais devant. Quel génie! Non, zéro, j'ai jamais été devant. En fait, t'as fait une petite erreur, Xari, hein, c'est tout. Hein, mais sinon, tu l'as envoyé un 3 hit et il était mort. Mais c'était quand même très dur. Ouais, mais évidemment, il met sous pression. Regardez, il joue vite, hein, Norman. Ouais, hein. Ultra fast. Sincèrement. Ça, c'est le joueur de Tekken. Hein. Là, tu le vois, tu dis que tu peux le battre quand même. Là, il est en stratégie forward. Tu vois, il reste comme ça, il peut faire des gros. Il a trop comme ça, il pouvait faire des gros. Norman, il va trop vite, les gars. C'est trop propre ce qu'il fait, putain, ce mec. Il régale tellement. Regardez-le. What the fuck, c'était bon. Là, il va mettre. Oh, il fait un Tetris! Incroyable! Et là, du coup, il combo. Là, il combo, c'est ça. Il casse les combos après. Parce qu'il a fait Tetris et derrière, il a enchaîné deux petites lignes. Ça combote quand même. Yes. Okay. Alors un Tetris, vous voyez l'équivalent d'une ligne complète de dégâts sur Puyo. Si tu fais des petits hits ensuite, tu vas pouvoir envoyer un continu. Okay. Quel cerveau. C'est trop. C'est dans le mauvais sens malheureusement. Voilà, mais le mind game du côté du joueur. C'est dur de se rendre compte ce que tu fais quand il y a les blocs incolores là. Ouais. C'est très très chaud. Les rouges, tu sais qu'ils peuvent tomber sur les rouges du bas. Pense toujours qu'est-ce qui va tomber en bas. Oh, il envoie des dingueries, Norman. C'est. Ouais, mais attention parce qu'en fait, il a un très très bon schéma en vérité, Xari. Il faut juste qu'il réussisse à toucher, à starter. Donc, le but de Norman. Oh non, Xari! J'ai appuyé sur bas sans faire exprès. Casse. Voilà. Voilà. À un moment, arrête. Stop le troll. Il faut casser. Ouais, pose ça là-dessus. Impeccable. Casse. La vitesse de Norman Genius. Non, mais je suis trop con. Là, je suis même bien là. Détruis ces jaunes. Détruis ces jaunes. Voilà. Il peut encore. Oui. Ouais. Alors peut-être. Les verts. Oui. Alors peut-être. Ça fait qu'un seul hit. Ok, vas-y, Bon, allez, va prendre un Tetris de dégâts quand même. What the fuck, step broken. Le comeback, il est de nouveau dans la partie. En plus, il est en train de mettre tout ce Xari qui a géré la pression comme un dieu. T'as été très très bon. Et on note que Xari gagne avec 2000 points alors que Norman en avait 16 000. Ouais, c'est logique, les points sont plus appuyés et en plus tu fais des points juste en appuyant en haut, tu vois, Tetris. T'as vu, t'appuies en haut 30 points. Juste appuyer en haut 30 points. Voilà, donc c'est. Les points sont pas spécialement représentatifs. Ouais, ils sont pas très représentifs. Mais d'ailleurs, ils servent à quoi en multi les points? Oh là là, regardez ce qu'il envoie derrière. Les points définissent. Oh là là. Il a pas le temps là. Ce fondu au blanc. Attends, mais il y a quoi là? Là ce fondu Norman Genius, regardez ça. Genius, regardez. C'est incroyable. Regardez, il ouvre un peu la bouche. Il ouvre la bouche. On pourrait les mettre en concentré là. Il vient de gober de mouche. Il encore s'en sentir le petit Norman. Genius, le grignoteur. Oh, quel enfer. Malheureusement, vous voyez, sur deux lignes là, il a deux trous. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Va affaiblir énormément son schéma. Si Xari réussit à trouver. Ah non, il peut pas le placer. Il peut placer l'autre. Il peut placer la bleue là. Allez, tu peux y arriver, Norman. C'est beau, Norman. Ah, il sait qu'il va prendre des dégâts, Xari, donc il faut qu'il déblaye un tout petit peu. Il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de bleu. C'est pas mal ça. Déblaye-nous ta bouche. Il continue, Norman. Norman, le modèle de survie. Hein. Ouais. Là, il se remet bien. Oh non! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a posé son thé. Oh, bien joué, il se rattrape. C'est dommage d'être aussi bon et aussi con. Quoi. C'est lui, mais en même temps, vu la concentration qu'il a. Survie, mais non, des conneries. Concentration exemplaire, rien ne peut le. Il peut la mettre. Rien ne peut le déconcentrer. C'est le bleu, si on le mettre dessus. Si, parce que derrière, c'est lui, il peut faire le combo. Ouais, il va le faire. Allez, il va chercher. Voilà, il est vraiment moyen attention. De descendre peut-être de façon moyen de un peu plus. Là, ça peut être énervé. Là, ça peut être très très énervé hein, du côté du Norman Genius. Triple, c'est pas assez. Hein. Ça fera jamais mal des triples à un joueur de Puyo. Il faut vraiment taper plus. Attention, ça s'aligne là ou là, ça fait mal. Oh, c'est mort. Oh, là, c'est mort. Compliqué. Oh, la dame. Oh, la dame. Quelle attaque.
putain, mais il est mais intestable sur Puyo, le Xav. Ouais, je dis, il faut tout le temps agresser un joueur de Puyo. Si tu ne l'agresses pas en permanence, et bien à un moment, combos. Il récupère un peu ses trucs, il va faire des combos, tout à fait. Ah, t'as été excellent, ouais. Exarid, t'as pas perdu. Tiens, il a pas perdu, il est intestable. Ah bah attends, trop fort. Je me fais remplacer, je suis mon dernier. En plus, le pauvre, c'est que TPK, il a bien joué. C'est un il a jamais joué, il te baise alors que t'es méga bon à Tetris. Donc, clairement, je suis pas méga bon. Je suis pas méga bon. Ah, t'es meilleur que nous tous. T'es meilleur que nous tous. Si, t'es monstrueux. Mec, t'es chaud. Oh, pas nous, hein. On a vu le build-up, il était solide. Hein. Non, mais t'es chaud, gros, c'est bon. Nanix va tenter de jouer à Puyo lui aussi. Nanix, tu penses que là, avec ton niveau, tu bats facilement. Mais largement, mais gros, mais je suis horrible. C'est la fin. Je demande. Parce que là, tu ne rends pas compte que j'ai chaté des trucs. Il a un QI à 280, je veux dire. Il arrive à planifier les prochaines pièces. Il a une très, très grosse intelligence. Vraiment, ça se voit. Il connaît même les pièces qui n'arrivent pas. Mais oui, il les voit pas, il sait. Ça se voit dans le jeu. Mais il y a la NASA qui l'appelle en ce moment. Mais regarde comment il pose ses pièces. Oh là là, mais il est pas si bien, les pièces. Ah oui. Il les pose vraiment bien. C'est beau, c'est bien rangé. Regarde, il ne détruit rien. Et là, bam, la première attaque. Il a fait le trou direct là. Mais moi, je refuse de croire qu'il a jamais joué à Zeus. Oh là là, attention, parce que là, il y a une possibilité de faire très très mal. Ok, bon, tu l'as pas vu, c'est pas grave. J'avoue. C'est pas grave. Alors, faut savoir, il y a un truc comme à Tetris. Si à Puyo Puyo, vous. Cliner votre écran, c'est-à-dire qu'il ne reste plus rien sur l'écran. Vous avez un bonus de puissance juste après de 3 lignes. Je savais pas, je me suis dit qu'il fallait que je garde un peu de. J'avoue, faut le savoir. Donc c'est comme à Tetris. À Tetris, si vous clinez votre écran, vous avez aussi un bonus. Et ce bonus est vraiment gigantesque. Hein. C'est gain de partie. Hein. Un mec a fait un vidage, l'autre non, c'est gain de partie. Il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de main game. Ah ouais. Et c'est pour perma la puissance. Non, c'est une fois. Ah, une fois. Donc t'as un boost, d'un dégât. Donc si tu fais un giga combo, tu peux t'envoler quoi. Tu fais une ligne et c'est comme si t'en envoyais, si t'en faisais un 4 hit, tu vois. Donc c'est très fort. Ce 2 hit combo, il va être obligé de monter malheureusement. Il est de retour, c'est bon. Je suis pas bien. Il est là pour assassiner le joueur adverse. En plus, il continue de. Oh là là, de il va remonter son schéma. Il refait un. Oh là là, c'est trop. Ah non, mais non, mais. T'as les jaunes. Bouge pas les jaunes, malheureux. Jeune fou. Oh là là. Putain, mais il fait ça si facilement. J'aurais mieux fait de perdre avec Tetris. Je t'avais dit. Attends, t'es face contre 210 de QI. Là, c'est dur. Là, tu sais, ça fume. J'aurais du mal, moi aussi. À affronter une telle intelligence. Je comprends. Moi je redoute. Hein, Du coup, Xari, tu peux rappeler combien d'heures t'as traîné sur Puyo? Bah, 0 heure. Voilà. C'est pour vous rappeler que. Masterclass quoi. J'aimerais bien être comme lui quoi. Ouais, putain, le fast learner. T'imagines à 0 heure, tu te pointes comme ça, ton contrôle, tu sais tout. C'est ça. Qu'est-ce qu'il est beau, putain. Il est pas allé au bas niveau, c'est vrai qu'il est beau. Il a une queue incroyable. C'est un truc de ouf. Il a pas deux d'ailleurs. Allez, c'est pas mal, Nanix, mais il va falloir essayer de mettre un peu plus de puissance, donc plus de schéma. Ne casse pas ses rouges. Essaye d'en faire autre chose à côté. Plus tu casses ses rouges, moins tu vas avoir de puissance pour aller attaquer. Il faut que tu stacks tout, tu fasses des groupes de 3, même si tu comprends pas ce que tu fais. Fais des groupes de 3 un peu partout et ensuite détruis. Faut pas que tu détruises ses jaunes. C'est beau ce qu'il fait Xari là. Des groupes de 3 partout. Là c'est bien. Non. C'est bien. Xari, son schéma est propre, il est très plat. Et ce mec est propre de base. Ouais. C'est vrai qu'il est propre. Il sent bon. À chaque fois, il met du déodorant. Oh là là, mais il a tellement de chance. Ici, 2 hits. C'est pas énorme non plus. Ouais, mais tout de même, entends. Oh, c'est terrible. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est rien du tout. C'est rien, frère. C'est rien. T'as juste rien du tout, mais t'es mort. Non, mais tu trolles. Tu trolles. Ah non, là, t'as de choc là. Par contre, ouais. Nanix réunit les bleus ensemble. Réunit les rouges ensemble. Le but, c'est que les couleurs, elles se touchent. Ouais. Le bâtard. Vous sachiez que là, je stresse à mort. Aïe. Non, mais Nanix, faut pas stresser. Dis-toi, c'est un jeu Black Bomb Blamber. Voilà, tu mets un peu tout le monde ensemble, tu réunis les communautés, c'est comme ça qu'il faut faire. N'hésite pas. Voilà, un jaune, le jaune. Non, pas le tourner. Le trop fort. Mais j'ai rien fait là en plus. Là, je crois que t'as perdu tout seul un peu. Qui n'a pas joué contre la star pas joué de ce contre soir lui. Junpei, tu veux jouer à Tetris ou à Puyo? Putain. Ok, c'est chaud. Hein. Ah, il va jouer à Tetris. Est-ce que quelqu'un peut aller avec Ken? Parce que c'est moi qui vais jouer après, du coup, j'imagine. Ah, t'as pas encore joué contre Xari? Attends, si, je peux y aller en premier, mais du coup, j'imagine que je vais après, enchaîner. Après, il y a Ken aussi. Vas-y. J'avoue. Vas-y, Nanix. Parce qu'il y a Ken qui donne fumer quand même au bout d'un moment. À la fin, il va nous régaler. Et même, tu sais ce qu'on va faire à la fin? C'est que Ken viendra.
Et il nous prendra un par un en partant de celui qui est en bas du classement. Ah, parce que Ken, il a dit à un moment, on peut se mettre dans ce jeu, on peut se mettre à 2v1. Ah ouais. Ouais, on peut se mettre à 3v1. On fera ça en show-off à la fin. Un petit 3v1 d'un coup en dernier. 3v1 dans le jeu. Et c'est parti directement. Franchement, Nanix, j'ai paniqué, Ken. Nanix, franchement, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'aurais dû mourir avec mes armes comme Genius. Rester fidèle à moi-même et jouer à Tetris, en fait. Regarde bien comment Xari joue. C'est la perfection. Ça, j'ai jamais vu un joueur aussi fort que lui. Non, mais on n'a jamais vu un joueur aussi fort. Il est trop fort, là. D'accord. Franchement, j'ai joué à côté de lui. La puissance de son cerveau, mec, c'est incroyable. Regarde, il réunit les couleurs comme. Oh là là, mais putain. Il fait des 2 hits combo direct, quoi. Mais qu'on le suce. Il a pas le temps. Il réunit les couleurs comme personne. Il a pas le temps. C'est l'humanité, quoi. C'est un réunificateur. À côté de Junpei, a joué quand même un peu sur ça. Ça a 99% jeu en 2002. Donc il a quand même un petit niveau à Tetris, hein. Mais il a vite compris comment est-ce qu'on posait les pièces instantanément, comment est-ce qu'on conservait les pièces. Il conserve donc la barre, hein, qui est évidemment une très bonne pièce à conserver. À haut niveau, on conserve plus les T que les barres. Mais quoi, les T c'est plus, c'est techniquement les T c'est plus fort. Parce que tu peux faire des T spin, quoi. Les T spin, T vraiment plus fort. Quoi, ça, c'est quoi les T spin? C'est le fait de mettre un T dans un endroit où il ne en vrai, peut théoriquement pas. Est pas mal, hein. Imagine t'as une forme de un virage vers le bas comme ça. Ouais, ouais. Et ben en fait ton T tu vas le faire descendre et tu vas le faire tourner au dernier moment pour le faire rentrer dans le trou. Ah il faut le faire super vite. Ah ben faut un autre niveau. C'est un autre pas mal, mais ouais, ce sera pas dans le stream challenge quoi. Ce ne sera pas ce soir. Si, non mais en vrai n'importe qui peut faire un T-spin. Faut juste savoir créer le schéma. C'est pas dur techniquement à faire. C'est créer le schéma pour pouvoir faire le T-spin qui est un peu. Faut appuyer quand même au bon moment parce que je sais pas, j'ai essayé d'en faire un peu gros. T'appuies trop tôt, trop tard, ta pièce elle est bloquée, t'es déçu. Quoi. Ouais, généralement, après ça dépend à quel Tetris tu joues, mais dans celui-là, t'as vu, à Tetris, les pièces elles descendent pas vite. C'est vrai. Et même quand elles touchent le sol, non, pas comme ça. Voilà, ça m'a tué. Oh non, pas comme ça, la Californie. T'étais tellement mal posé. C'est pas fini. C'est fini. Non. Il a décroché la lune. Il peut revenir encore. Il peut revenir. C'est terminé. Il est en train d'être contorsionniste là. C'est fini. Junpei, il doit mettre ses points. Allez, c'est terminé. Encore une. Allez, Junpei, s'il te plaît, régale-nous. J'essaye de contre Jinx. C'est terminé. Tout à droite. C'est fini. C'est terminé là-dessus. 1-0 pour... Non, il se bagarre. C'est terminé. Tout le monde. Ouais, mais j'en ai marre là d'enchaîner. En vrai, ça crame le cerveau, gros. Il va faire deuxième ou premier de cette challenge. Alors qu'il a jamais joué. Et il est trop fort. Mais c'est abusé son level à ce mec. J'aimerais bien. Je pense, je sais pas pour vous, mais quand même, on sent la puissance du fast. Après, c'est le bon plan de jouer en premier parce que comme il y a beaucoup de bouffons parmi nous qui n'ont pas train, bah du coup, si tu prends. Tu chaîne que les bouffons. En fait, bah surtout là, lui il est en train de devenir plus fort. Et nous, à chaque fois, on vient en mode débutant. On est éclaté instantanément. Mais c'est le meilleur plan, c'est le meilleur plan. En tout cas, il a vécu son plan. Vraiment, je suis allé voir Ken. Le pire, c'est que je joue à Puyo et tout le monde va dire c'est trop fort, c'est fumé. Et c'est ce qui se passe. Attention, là, il est Tetris quand même d'envoyer, donc ça va faire. Ça va faire un peu de mal dégâts. Quand même, hein. Faut que t'en fasses un deuxième le plus rapidement possible. C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Junpei, tout à droite, ça. Il faut que tu remplisses à droite. À droite, seule cette pièce-là pouvait aller, le fameux Z. Donc on appelle souvent les pièces de Tetris par des lettres. Donc il y a le L, le J hein, pour les pièces oranges. T'as cru que la barre c'est un I quoi, c'est ça? La barre c'est un I, le O pour le carré, S et Z pour la pièce verte et la pièce rouge. Et enfin le T pour la pièce mauve. Et vous avez bien toutes les façons de faire des tétraminos, c'est-à-dire des combinaisons de 4 carrés. Tetraminos pizza, tout à fait. 3 offertes pour une achetée. Exactement. Pour est mort. Zari, c'est la mer rouge. C'est la mer rouge. Il a tellement de rouge, c'est horrible. Il est pas mal là, June. Hein. June est bien là. Junpei, le brésilien. Putain, parce que c'est ça aussi l'avantage de Tetris, c'est quand comme les dégâts arrivent par dessous, en fait, si tu arrives à récupérer les dégâts de l'adversaire, tu t'en sers pour lui faire mal. Mm-hmm. Ce qui n'est jamais le cas à Puyo. À Puyo, tu te sers pas des dégâts pour faire mal. Les dégâts te gênent juste. Et c'est juste chiant. C'est pour ça qu'aussi, quand au niveau, tu te fais baiser. Quoi. Tu estimes que le jeu est parfaitement équilibré, genre non, à très non, haut non, niveau, non, est-ce non, que non, les mecs jouent tous non, à Puyo ou tous à Tetris? Tetris. Ouais, d'accord. Après, il y en a qui essayent, mais à Puyo, pour jouer face à un joueur de Tetris, t'es obligé de jouer
totalement différemment. Changer complètement de méta, changer complètement de chemin. En fait, il faut que tu construises très haut en tour pour déjà giga combo quoi. Pour être obligé de prendre des dégâts parce que tu es obligé de prendre des dégâts. Et c'est ça parce que là j'ai... tu dois jouer avec des dégâts obligatoires. Donc tu construis le plus haut possible. Et quand tu étais Trisken, moi là je faisais trop de deux lignes à chaque fois, fallait faire que des 4. Ouais, faut faire des 4 Tetris, c'est Tetris, En fait, c'est ce que je faisais, c'est genre en bête, moi je faisais que des 2-2. Oui, deux, oui. Et du coup, en fait, ça fait mal ça. C'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Ça fait mal et ouais, ça tue. Et voilà. Et il n'a pas perdu un match, hein. C'est terrible hein, ce Xavier. J'ai affronté tout le monde là. Ouais. Let's go. Bon, là, il y a deux choix. Soit Xavier est un génie, soit à très bas niveau, Puyo enculte Tetris. Moi je pense que Puyo, à niveau moyen, Puyo c'est plus facile. Mais. Et je suis un génie. Mais par contre, non. Mais genre, par exemple, Genius, il a attaqué tellement gros. Ouais, mais même lui, t'as vu, il a pas réussi à attaquer. Ouais, mais j'ai chaté. C'est pour ouais, mais moi j'ai joué Kenner aussi. Il y a un problème, il faut jouer Puyo, les gars. On pourrait voir Xari sur Tetris, du coup, maintenant. Ah bah non, mais gros, non. Ah, c'est fini. Je suis horrible. C'est fini. Maintenant, il est Xari sur Puyo. Oh là là. Junpei enchaîne ses matchs, c'est parti. Allez, Max Hildan face à Junpei, on enchaîne. Alors Junpei, toi, t'as joué contre qui actuellement? T'as joué contre Xari? J'ai joué contre Xari et Jiraya. Et Jiraya. Comme j'en ai absolument rien à foutre, je vais tenter un Puyo. Mais tente pas. Pour voir. Je pense que t'as raison, Max. Hein. Et puis, je veux dire, franchement, fais-toi kiffer. Je pense sincèrement, Junpei est plus fort que moi à Tetris, donc je prends pas de risque, tu vois. Je suis en mode, bon, perdu pour perdu. Je suis pas sûr, mais... Autant tenter des trucs. Mais si, amuse-toi, t'as raison. Y va? Allez, je suis chaud. Incroyable, mais vrai. C'est parti, ça représente la première partie hein, de Puyo, je crois, de Max Hildan, hein, qui avait un peu tout tenté Tetris jusqu'à présent. Et il va se rendre compte qu'en vérité, les pièces tombent très vite. En fait, on a l'impression que c'est un peu lent comme ça sur l'écran, mais quand c'est toi qui joues et que tu es en train de réfléchir, ça tombe super vite. Ouais. Et évidemment, pas beaucoup de temps pour réfléchir. Exact. Et plus t'es haut, bah plus la pièce arrive vite au sol. Une fois qu'elle est loquée, bah elle est juste chiante si elle est mal placée. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un début de schéma assez intéressant. Donc tu vois, il fait une base de 3 en L. Ensuite, il met un Puyo d'une autre couleur et pose le Puyo de la même couleur au-dessus. Si tu répètes ce schéma, ta-ta-ta-ta, en maille sur toute la ligne, c'est pas mal là. Et ben t'as 4 hits. Voilà, tout simplement. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça normalement. Il est pas mal en effet, Max Hildan. Mais là, c'est des verts que tu vois poser sur ces mots. Je sais, mais ils arrivent pas. Il faut les stocker ailleurs. Qui commence à construire. Comme ligne, hein, Junpei, question Ken dans le chat pour toi, est-ce que au niveau ça joue stick ou manette? Je dirais manette ou clavier. Il y a beaucoup de joueurs de Tetris qui jouent au clavier. Ouais, clavier ça régale. Au clavier. On rappelle que Ken a ramené sa petite Ori. Vous savez, Tetris, il y a un des Tetris les plus populaires au monde. C'était un jeu Facebook à la base. Mais non. Je sais plus comment il s'appelait. Comme c'était un jeu Facebook, tout le monde jouait au clavier. Bien sûr. Au jeu et ils sont devenus trop forts, les mecs, juste au clavier. Mais Tetris, je dirais, c'est plus à la manette traditionnellement. Le stick, c'est uniquement. Ah putain! Ah là, je suis dans la merde. Hein. Non, pas du tout. Casse les mauves et c'est bon. T'as juste à détruire les mauves sur le tapis. voilà, pas comme ça. Ah, si je fais de la merde, c'est terrible par contre. Je stresse. Sur le tapis d'Ojama, faut pas stresser. Hein. Tout va bien se passer. Non, libère ça. Voilà. Ok, vas-y. Pose le mauve en dessous. Pousse ça à côté. Fous-moi ça le camp. Tourne. Ok, voilà, c'est bien. C'est bien. Impeccable. Et là, direct. Le bleu. Et allez, voilà, on récupère un petit peu de combo. Donc je disais, si on joue à la version arcade, donc Tetris The Grandmaster, c'est stick arcade quasiment obligatoire à la manette, c'est un enfer. Et le jeu apparemment c'est Tetris Friends sur Facebook. Tetris Friends, tout à fait, c'est ça. Ils disent. Tetris Friends, exactement. C'est ouf en vrai qu'un jeu Facebook soit le Tetris. Ouais. L'originel. Le Grand Zero. Exactement. Ah, il s'est bien rattrapé. Max, il s'est bien rattrapé. Ça à gauche, c'est bon, faut pas détruire. C'est bleu, t'avais un peu de potentiel avec. Faut pas les casser. C'est pas évident. Je sais. Là par exemple, tu vas faire un hit alors que t'avais potentiel de faire deux si tu cassais les verts et tu laissais retomber aussi les rouges dessus. Il joue de plus en plus vite, Junpei. J'ai l'impression qu'il est en train de Junpei, il a compris le coup de fou. Il est très chaud. Ah oui, Matrix, c'est level. Attention. Junpei a une très bonne pièce en plus là. Elle est très bonne pièce. Très bien le petit. Et la bonne douceur. C'est chaud. Réunis les mauves ensemble. Les mauves sont ton salut. Il regarde ce jeu quoi. Ah les bâtards. Les bleus pour détruire. Attention là. Impeccable.
Il est bien quand même, Max. Hein, et il a de quoi faire des dégâts. Faut juste qu'il réussisse à récupérer tout ce qu'il a en bas. Si tu poses un verre sur les mauves là, t'es full bien. Ça n'arrivera pas. Max, t'es full dans la merde. Oh non, Jumpé. si, il a raison. Jumpé, tu peux tuer. Attention. Allez, attention, Jumpé. Jumpé, tu peux le finir là-dessus. Jumpé, tue-le. Aïe. C'est pas fini. Il arrive à le faire son hit, c'est incroyable. Ah, quand tu commences à récupérer ce que t'avais à Pouillot, ça fait mal. Ça compte, c'est quand même violence, Pouillot. C'est légèrement désavantageux. Il y a tellement de fois où il aurait pu crever. Donc il joue avec 4 mains et Tetris, il joue à une main. C'est horrible. Mais bon, c'est ce qu'il est quand même. C'est le jeu, ma pomme Lucette. Bah ouais, 3 lignes, c'est ce qu'il est quand même. Bien joué. Hold. Voilà, impeccable. Non, mais touche pas le trou que tu débouches. Mais je pensais que c'était quoi. C'est chaud. Pouillot, ça me rappelle Bust Move. Là c'est chaud, c'est très chaud. Oui, c'est parfait ce que t'as fait, Max. Tourne encore. Le fut de Max. Il est dans l'altitude. Ça commence à sentir un tout petit peu. Il a eu. Bravo, Dune. Dans le cul. J'aurais pas tenu aussi longtemps contre Jumpé sur Tetris. Donc aucun regret. Franchement, vous avez géré, le match était fou en vrai. Ouais, il commence à s'habiter. Jamais, tu fais jamais ça, Max. Ouais, je sais. Jamais, Max. Laisse-moi. Tu comprends, Max, sale con. Tu fais jamais ça. Tu détruis pas ce que tu construis. Il va te retrouver, Ken. C'est comme si tu faisais les fondations de ta maison, puis tu baisais tout, et tu recommençais, plutôt que de créer ta maison, et ensuite de tout détruire. Ça, c'est bien plus intéressant. T'aurais pu hold, je pense. Hein. Ouais, j'aurais pu hold, j'aurais dû faire. Hold the line. La structure est bien. Casse pas les jaunes ici. Ne les casse pas. Voilà. Et oh là là, et Junpei qui est très très quand même. Hein. Max, il va faire une dingue. Junpei qui peut faire une masterclass. Non, il aurait pu faire un Tetris, mais malheureusement, il en a pas profité. Ça qui est un peu dommage. Tu vois, Max est pas trop gêné par les deux. Ouais, bah ouais, clairement. Il est toujours bien. Ah merde, j'ai fait le con. C'est bien. Allez, June, tu nous construis ça quand même. Allez. Ouais, c'est ça. Tu peux construire ça, c'est ça. Bien, là, June. Oh la June qui se fait très bien là. Prépare bien. Oh là là, Oh là 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 là. Allez, 3 coups du côté de Max. Ça va commencer à faire des très dégâts. Oh, tu peux arriver. Attention, il va monter haut. Ouais. Allez, June. Ouais, mais ça va être difficile de mettre de la barre tout à gauche. Là, elle est obligée de faire la bon. Une deuxième. Il respire enfin. Oh, c'est tellement. Non, surtout pas, Max. Mais t'as construit le schéma parfait, tu le bouches. Ah, désolé, j'y vois rien là. En fait, le bleu, tu vois, sur l'avant-dernière colonne, c'est vraiment un starter. Regarde, si tu le casses, réfléchis. Les rouges tombent, ensuite les jaunes tombent. T'avais vraiment 4 hits de combo. Jumpé, faut juste qu'il fasse attention parce que Jumpé là, il laisse des hauteurs qui peuvent le baiser sur la fin. Le problème, c'est qu'il fait que des petits 1 là, des petits 1, c'est compliqué. Ah, s'il les enchaîne, ça peut faire combo, hein, mine de rien. Voilà, tu vois, il va envoyer il m'a baisé. Effectivement. Les petits 1, ça fait vraiment combo, c'est ce qu'il cherche à faire pour déblayer, c'est pas mal. Hein. Ça permet d'être offensif tout en défendant. Je suis tellement mal. Max est dans un bourbier. Qui est dans le bourbier le plus total. Ah mais pourquoi t'as pas tourné cette pièce? Joupé n'est pas mieux les gars. Ça m'en fout, je suis une merde. Oh non. Allez, mort tout seul. En gros, j'ai perdu. Ça dégoûte. Bien joué, mec. Joupé allait mourir. C'est tellement dur. Bien joué, mec. Il est mort. Eh, Joupé, t'es très chaud. Non, je suis pas si chaud. Joupé allait mourir. Je construis vite, mais des fois, je fais des conneries. T'es bouillant, mec. Vas-y, qui est-ce que j'enchaîne? Non, bah j'enchaîne. Tu veux enchaîner? Vas-y. Ah, tu veux te dire fort? Allez. J'en ai enchaîné deux, c'est pour ça. C'est au tour de Bitel d'y aller. Bitel qui a une très bonne analyse du jeu de Jumpé, je pense qu'il peut lui poser des problèmes. En fait, si tu veux, genre, je peux avoir des bonnes analyses, mais là, je suis à chier à côté. D'accord, mince. Je vais jouer à Pouillot sur téléphone. Pour s'entraîner. Je vous ai mis. Non, mais en vrai, la logique est, on va dire, à mon niveau, est vraiment très simple. Et ce qui me baisse, c'est quand il met des carreaux transparents. Bon, bah là, ça me met vraiment dans un mal terrible. Jumpé, attention. Mais la logique de base, elle est pas si complexe. C'est juste attendre la bonne couleur pour niquer le game, et c'est pas toujours évident. Quoi. En fait, il n'y a pas de mauvaise couleur à Pouillot, c'est ça le plus dur, c'est de savoir utiliser ce que tu attends pas. Ouais. Ici, pour créer quelque chose qui se passera plus tard, c'est un peu voir l'avenir. C'est ce que réussit à faire superbement bien. Xari, il voit pas que l'avenir, Xari est le jeu. Cela dit, je maintiens, tu vois. Bon, je suis pas fou sur Pouillot. C'est parti. Hein. Mais tu vois, Jumpé est pas mauvais sur Tetris. Non, il est pas mauvais. Et il a eu peur.
Ouais. Alors que sur Tetris, il m'aurait enculé, gros. Donc, c'est possible. Je pense qu'à bas niveau, prends Puyo. Hein. En vrai, il y a toujours moyen d'arnaquer. C'est un peu la Lucky Chloé du jeu, hein, Puyo. Il hein. y a ouais. toujours moyen d'arnaquer avec le comment. Là, si le Juppé, ça construit très très bien, très fort dès le début. Bah, il construit bien, mais en attendant. De l'autre côté aussi. Ouais, j'ai l'impression. Et ça va très vite côté Juppé, par contre. Ah oui, d'accord, ok. Il a mis Bitel. Ça va très très vite, ouais. Il a mis Bitel dans une sacrée sauce. Oh là là, plus il joue vite, Juppé. Il va être dangereux, hein. Il va prendre du speed à mort. Bah en fait, Genius joue très vite à Tetris, donc ce sera intéressant de voir. Genius, t'as joué Juppé? Non, pas encore. Ça sera intéressant. Non, j'ai pas joué Juppé. Ça va être intéressant. Ne le joue pas en dernier. Parce que là, il est en train de prendre du skill. Mais il est meilleur que moi, de base. Arrête. Il n'y a personne meilleur que toi. Pas du tout. Il construit vite, il fait ce qu'il faut. Ouais. Non, là, tu fais le fou modeste. Ah, pas du tout, je te dis. Là, tu fais genre, oh, si je perds, c'est normal, et si je gagne, c'est un exploit. Mais non. T'as tout compris, c'est ça. C'est ça. La classique. En fait, Tetris, moi, j'y jouais sur le PS3. Rappelle, il y avait le Tetris sur PS3 qui était en téléchargement. Ouais. Je sais plus comment il s'appelait. Bah, Tetris sur PS3. Tetris, tu payes la licence, tu fais un jeu Tetris. T'as appelé Tetris PS3. TSP. Ouais, exactement. Mais non, je suis. T'es un monstre. Allez, vite. La licence Tetris. Avec Couillot, t'as pris vite de fou. C'est qui? Qui prend les thunes? Et l'or, donc l'inventeur de Tetris, comment il s'appelle le mec qui a inventé Tetris? Le russe qui a inventé Tetris. Ah, mais gros, mais combo, j'ai fait genre. Il a monté une société qui gère les droits de Tetris, elle s'appelle Elorg. C'est elle qui gère les droits de Tetris. Ah, c'est putain, j'ai trop de choc. C'est un mec adorable. Il y a tellement de trous que je. Qu'est-ce qu'il dit? Il en est dévisagé, le pauvre Bitel là. Dévisagé. Il va lui mettre un petit coup, il a vu. Il faut aussi jouer avec ton adversaire. Si tu vois que ton adversaire est mal, faut pas hésiter à envoyer des dégâts. Envoie des dégâts, Juppé, si tu vois qu'il se sent pas bien. Aïe aïe aïe, l'erreur de Juppé. Non, Juppé, ils veulent tirer. C'est terminé, Juppé. Juppé ne temporise pas. Mais je voyais pas, moi je suis focus sur mon écran, hein. Faut que tu regardes un tout petit peu où en est ton adversaire, sinon... Juppé a une vision à la MK, lui c'est le finish him qui voulait vraiment... Ouais, parce que c'est le timing c'est vraiment principal, parce que là si tu laisses, eh bien en fait, comment Bitel s'en sortir, Bitel tout simplement, bah lui il descend, et ensuite après tu rates le timing pour le tuer. Tu peux mettre cette pièce là en bas, tu la mets de droite, voilà, non, tu descends, le T-spin, tu descends, Encore, et là tu la tournes. Voilà, T-spin. Oh, mais c'est un fou, mec! Et là tu peux faire des J-spin ou des L-spin avec le J ou le L. Ah, tout est spinable. De l'autre côté, tout est spinable. Je tiens à prévenir Bitel que ce qu'il attend. Regarde, il est hop, T-spin! Il a raté! J'ai envie de me foutre en l'air. S'il attend, va être sale. Bitel a raté, il a appuyé deux fois sur O, il joue un peu trop vite. C'est terminé, c'est terminé! Ah, le joueur français, c'est terminé! Culé, malheureusement. C'est fini! Attention, Tel Mbappé devant le but suisse. Voilà, ta gueule! Pour l'instant, bravo à Thune. Oh là, ce qui attend Bitel, mon dieu. Aïe aïe aïe. Bah, dommage. Hein. Il y a tellement de structures dans tous les sens. Après, ah là là non. Juppé, la C'est terminé. Coupe les voix, gros. C'est fini. Je joue jamais avec les voix. C'est le vrai. C'est insupportable. Et attention, c'est au tour de la légende. Genius. Le légendaire. Pas Genius. Parmi les boss. Ouais, faut pas attendre, gros. Tu joues comme un roi. Ouais, je sais, c'est ma spécialité. Après, c'est à toi, Nani. C'est ça. Le mec a un petit peu, mais tu sais, c'est pas fou. C'est parti. C'est terminé, Juppé. C'est terminé. C'est perdu. Là, c'est le match de l'année. Juppé, il a fanfaronné parce que là, il enchaîne les victoires. On lui emmène. On lui emmène Manette Master. Je pense que c'est la fin de Juppé. On lui emmène celui qui gobe les mouches pendant qu'il joue. Ah, le Tetris. Concentré de ça. Tetris. Oh, Juppé qui a check son adversaire avec un regard un peu dédaigneux. Je vais devoir jouer qu'une main. Ah, ta gueule. Incroyable. J'ai mon vaccin. Je vais devoir jouer avec une main. Non, mais quel forceur. J'arrête. Oh, les excuses. C'est parti. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Xaris se régale, il mange des bonnes petites. Concentrez. Alors, vous avez vu qu'à Tetris, on n'a pas la même distribution en revanche de pièces. Alors, ça n'est. Ah, c'est terminé, Juppé. Tu vas te faire arracher. C'est vrai qu'il est trop fort. Oh là là, il va si vite. Mais regardez, Juppé, il a construit un Lego tout cané, la maison de Oui, alors qu'en face. Oh là là. Alors qu'en face, c'est tellement. Alors qu'en face, c'est la Tour Eiffel. Tellement l'architecture. Mais tu joues à Fortnite. Il a commencé avec un. What the fuck, bro. Mais what the fuck, Norman. Quand tu construis, c'est la casse à des papels ou quoi? Ça va trop vite. Incroyable. Alors, j'ai pas dit. Oh là là. Encore. Fort, hein, avec encore. Encore, s'il te plaît, encore. Ah, il fallait le poser tout à droite. Allez, passe. Attention, normal là, qui peut faire très normal. Très mal, hein. Normal, il va faire une dingue. À droite. Voilà. Oh, normal, il va faire une dingue. On veut normal. Oh, normal, la vérité. Oh, normal. Normal, il fait un peu n'importe quoi. Normal.
Ah, il a quand même plein de trous, et... malheureusement. Mais le c'est pauvre. Pas grave, il s'en bat les couilles. Ça a été cancer. C'est vrai qu'il s'en bat les couilles des trous. S'en bat les couilles, regarde ce qu'il Allez, encore pas comme ça, Norman. What the fuck, step bro, Norman. Norman, j'ai pas trop compris du coup. Non, mais en fait, il. Oh là là, Norman, il veut enchaîner vite, mais. Norman, il panique, il va trop vite. Il pose de façon trop vite. Attention, parce que plus tu poses vite, plus tu te rapproches plus haut. Moi, je tiens à dire que Norman a peur de la vitesse de jeu. La vitesse de jeu, et il a pas de barre. Il a pas de barre, il a pas de barre. Il a pas de barre. Ça casse rien. On va falloir qu'il aille très vite. Il est tellement dans les cordes, il va se mettre tout seul. Il va se mettre tout seul. Est-ce qu'il peut la passer? Il la passe. C'est le suicide. Il a explosé. C'est terminé. C'est terminé. Choupé trop fort. Allez, il joue bien. Choupé est à son prime. Choupé, il a rien à faire. Jenny s'est mort tout seul. Franchement, Choupé, la victoire pas trop fatigante, non? Ça va, ça a été tranquille. Là, géré dans la tranquillité absolue alors qu'on est en train de décéder juste à côté. Non, mais alors, Norman c'est l'excitation seul, là. C'est incroyable, hein. Il a eu peur. Il a eu peur de Jumpé. Il est trop vite. Et c'est reparti. Ah, c'est tellement tout en colonne là, ouais. Du côté de Jumpé. Je sais pas ce qu'il essaye de faire comme schéma, mais c'est un t'inquiète peu bizarre. T'inquiète pas, tu vas voir. Après, il y a moyen de pas créer de trous. Il y a pas moyen de créer pas ce step de 3 lignes. Dès que t'as 3 lignes, il y a que la barre qui peut réellement se mettre dans des trous de 3. Donc faut mieux éviter de le faire. Pareil, il y a une règle à Tetris, toujours laisser une place pour mettre un carré. Si vous n'avez pas la place pour mettre le carré va arriver. De dire ah merde, encore un carré, où est-ce que je vais mettre? Je suis baisé. Donc faut toujours construire pour qu'il y ait la place de mettre. Oh la barre! La barre est normale. Oh non, Norman! Il est quoi? Il a raté, mais il est sérieux? Norman, il fait des mauvais choix. Mais il a un trou à gauche, il a un trou à droite, mais est-ce que. Allez, Norman! Allez, Tetris, il y a Tetris à la pyramide! Allez, Tetris après ça! Tetris là, mon gars! Tetris ici! Faut pas le mettre mal! Wouah! Je me paye tellement haut à présent! Je sais pas comment on va faire. Il faut qu'il passe là-bas! Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est passé, hein. On verra, ça va. C'est fini. Incroyable. T'étais monstrueux. En fait, Genius, t'étais trop dans le speed. Tout à l'heure, j'ai fait aussi. J'ai eu deux barres d'affilée. Ah oui, complètement. T'as chaté Jumpé deux barres d'affilée. En train de résumer sa carrière à de la chatte. Oh non, c'est très dur. C'est incroyable. Celui face à Nanix. Il reste toi. Quel dingue. C'est tout. En premier contre Jumpé. L'éléphant de Levallois chuté malheureusement. Ensuite c'est au tour de Jiraya parce qu'il a pas encore joué. Si j'ai joué contre Jumpé dès le début. Ouais mais tu vas jouer tes matchs. Ah je vais faire mes matchs. Moi je vais partir en Only Puyo. Voilà, Only Puyo. Bonsoir. Clairement j'ai voulu tester Tetris la première fois. Alors tu n'as pas déçu. Mais en plus on a fait 2-1 donc non la deuxième il a mérité pas été terrible, il a mérité la deuxième la première le, en fait, le match est parti hein. J'ai fait oh ça m'a fait droite oula Nanix, j'ai l'impression que ça fait un petit moment oula tu joues avec la croix ou avec le stick analogique? Avec le stick. Arrête tout de suite. Ah mais ça le stick. Arrête. Non mais enfin Nanix, voilà, le 70 ans ou quoi là? Un D-pad ça n'est pas que pour sélectionner tes armes de merde. C'est terminé pour Nanix. Ça sert aussi à jouer. Bravo à Toupé, bravo. Ah Toupé qui bravo incroyable. Mais Toupé, mais cette soirée de fou, donc tu fais chaud. Non, mais Jumpé actuellement tu es deuxième, bravo Jumpé, bravo. Est-ce qu'en vrai on tu fais pas le fin Nanix il fait du pixel là. Tu veux qu'on le refasse Nanix? Bah ouais je fais de la merde là, non s'il vous plaît, c'est le jeu, c'est la vie, c'est en deux matchs gagnants. Tu peux te suicider Nanix si tu le sens. Non Nanix, tu peux gagner, tu peux gagner mec. Le point est perdu. Attention. Non je pense pas. Ah, ok, j'avoue, presque. Le point n'est pas perdu encore. Rien n'est fait, tout est à faire. Oh. C'est perdu. Ah. J'avoue, tu trolls, gros. Dommage. Non. Mais joue pas au joystick. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, j'arrive pas à me faire la flèche. Mais au joystick, tu gagneras jamais, gros, c'est impossible. Oh, Norman est parti ramener sa manette, apparemment. C'est ton pote, c'est l'analyse. C'est mon boulin. Tu ramènes ta manette, Norman? Hein? T'as ramené ta manette? J'aurais dû. Ça parle beaucoup dans le chat, mais ça suit plus. Je croyais pas que t'allais dire. Voilà. C'était pour les amis du chat. Il a dit je ramène ma manette. LOL. Toi, tu es en train de frimer dans le chat pendant ce temps, toi. Non, je dis juste. Non, je dis que je commence à jump. Ça bégaye. La vérité à 100%, au cadre, c'est juste le premier match. Je me trompe, je fais haut, ça m'a fait droite. C'est pour ça que je dis ça. Mais bon, on s'en fout. Il a joué la manette que moi. C'est enculé. Ah merde. Et ça, par contre, tu as raison sur ça. C'est bien Nanix. Emmenez vos manettes hein, parce que sinon après il joue avec la manette. Nanix, what the fuck Nanix, il a été emporté par l'excitation. Mais non mais Nanix, qu'est-ce que tu fais? Eh bien écoute il a envie de faire il a raison Nanix, écoute ton cœur. Il a envie de faire Nanix. Voilà, il faut je troll de ouf, ça m'énerve. Il faut que ça pointe, que voulez-vous? Nanix, c'est ça. Nanix, on pointe vers le haut. Ah Nanix, c'est terminé. Hold moi ça là. Allez Nanix frère, mais allez Nanix, allez Nanix là, tellement simple. Allez, on se met tous à crier Nanix. Tu remontes Nanix. Allez.
Alex. Alex, il est très haut. On rappelle qu'il représente Nameless. C'est mon rôle, c'est mon métier. Nameless, évidemment, qui est devant sa télé en train de se dire que se passe-t-il. Allez, superbe. Son met 250 euros. Superbe. C'est un peu ça. C'est très beau. Combien au classement général? T'inquiète, je vais être loin derrière. C'est pas dégueu. Oh, il est monté très haut. Et regardez la vitesse de Jumpé. Regardez. Il est si rapide. Il a une autre pièce. Il pèse. Là, il pèse. Attends, là, il passe ici. Oh non, lol. Et voilà. C'est torché. Je crois que Yannick, c'est tellement nul. Je le bats même moins. J'ai pas compris. J'ai. Incroyable. Tu peux. J'ai peur sur la pose des pièces. Tu peux rester ici, Yannick. Tu vas affronter Jiraya. Hein? Quel hasard. Je paie. J'ai 10 000 sur les touches. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, je m'en veux. Il y a que très peu d'enjeux, les gens ne payent pas. Donc les Zari est à 6 points. Ça m'énerve, gros. Score plus 10, Jumpé 5-1. Il est deuxième. 7 au score. Puyo. Magnifique match. Tu me bats, t'as peut-être gagné. Ouais, mais je te battrai pas. Donc ça va. Alors que l'on voit les scores de Genius dégueulasses, hein, et les autres qui n'ont pas joué tous leurs matchs, évidemment. Mais donc, en vrai, je suis. Pourquoi j'ai zéro? Allez, on se check, mon ami. Je suis content. Oui, t'as fait deux. T'as deux loses, une win. Ah oui, d'accord, ok. Je suis content parce que ça va aller. Je connais pas le classement final. Mais Nanik, ça pire que moi. Je sais plus qui a 5 points de moi et tout, mais peut-être que ça joue le titre là, je sais pas. Et franchement, toi, tu gâches bien ton jeu à jouer en automatique à des gachas, mais en fait, à chaque fois qu'on sort un jeu au pif, t'es fort. Hein. Ouais, mais un Tekken, jeu. Tekken, t'étais fort. Mais Tekken, j'étais fort parce que j'ai train, et là, je suis fort parce que j'ai de la chatte, je sais pas, mais c'est. Je sais pas. D'habitude, en plus, je suis vraiment pas réputé pour être bon aux jeux vidéo. On a fait plein de le stream challenge où j'étais à chier de chier. Vrai. Mais je pense qu'on a pas eu. Merci. J'aurais bien voulu jouer contre. Il a raison. Tekken, là. Il a raison, mais ah ouais, moi aussi j'aurais bien voulu te prendre te soulever à Tekken. Oh là. Allez. Ah là là. Je pense que t'es meilleur que moi, mais je suis un joueur de LAN, donc je te baise. Je pense que t'es vraiment bon. Je me suis très bien. C'est parfait. Si tu casses les mots, c'est très bien là. Contre le lot. Contre l'eau sur le PC. Par contre, Jijou, c'est mon fils spirituel là sur Puyo Puyo, donc. Oh là là, qui gagne. Oh là. Après, Nanik, c'est tellement naze. Tu vois donc. Non, casse pas ça. Il faut que tu dises tes mauves, c'est ton starter. Donc tu ne casses jamais ces mauves là. Et ensuite tu construis au dessus et tu rajoutes des couleurs dessus. Non, Nanik. Non. Si, ça fait un petit combo, non? Ah non, non. En fait, dans ta tête, Gigi, il faut que tu te fixes. C'est quoi le parfait, ça. Le Puyo que tu vas envoyer en pro. Oh là, si c'est les jaunes, il faut que tu aies des mauves au-dessus. Il faut que tu aies des bleus au-dessus, etc. etc. C'est comme ça que tu vas tout de suite voir un peu mieux la situation. Allô, à côté. Si tu casses ici, ça va faire quand même 2 de combo, ce qui est pas mal. Là, c'est pas mal. Il faut que tu arrives à 3. Gigi, tu arrives à 3 et c'est fini. Le game, il est plié. C'est le meilleur. Et Nanik, c'était le meilleur, hein, t'inquiète. Bleu avec bleu. Je sais qu'il y avait FIFA hein, dans le truc, mais. Il y avait FIFA. Ouais, c'est dommage. On a refusé. Évidemment. Ici, ça fait toujours 2 hits. Il manque un rouge pour faire les 3. J'en avais un, putain. Ouais. Malheureusement. Après, tu le mets déjà mal, hein, t'inquiète. Ouais, c'est vrai qu'il est haut. Maintenant, c'est Tetris. Et là, Nanix, ah, tu peux pas d'erreur. Ah, le T, Nanix. Il ne fait pas d'erreur. Non, t'avais ton T. Ah non, t'avais le T. Ouais, utilise. Le T pose-le plutôt à plat que de le poser comme ça. Il faut toujours créer des structures planes. Et globalement, à Tetris, si vous voulez créer de bonnes structures, il faut les créer en pyramide. Le T, t'as ton T en haut, Nanix. Il y a Nanix. Tellement de jaune et de rouge dans la Gigi, s'il fait son combo, c'est terminé. Hein. Ah, là, je crois que je sais pas comment ça va partir. Mais quand ça partira, je pense qu'on entendra parler un tout petit peu. Allez, là, c'est tout à droite. Il y a un jaune. Regardez ça. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Avouez que c'est satisfaisant quand ça part. Je suis pour le cœur. À la concentration de Jiraya, regardez, elle est exemplaire. Il est focus que jamais. Il a mesuré sa distance par rapport à l'écran. Il est là. Regardez, on ne voit que son crâne. En transparence, il est magnifique. Il y a sa Dragon Ball de crâne au milieu de l'écran là, qui est en train d'invoquer le dragon sacré. C'est incroyable. Il est en train de choper un 5-nat Light and Dark là. Il est féroce. Ouais, l'idée de construire 3 lignes en colonne est une super idée, hein, Jiraya. Tu devrais développer ça un peu plus. C'est la façon la plus simple de réunir des pièces de 3. Tu fais des colonnes de 3 de couleurs différentes et ensuite, après, tu décales le raccord sur une autre couleur à côté. Ça fait 2 gros hits, c'est pas mal, ça va mettre mal, mais Nanik, c'est en position 2 Tetris si jamais il ne pose pas mal ses pièces. Voilà, pose-les convenablement, Nanik. Voilà. Oh là, c'est bien, Nanik. Ça, tu peux ranger si elle te fait chier, tu peux appuyer. Voilà, très bien. Nickel. Et là, t'es en position de Tetris. Et là, mon pote,
Là, tu lui envoies une décharge dans la tronche. Voilà, là, c'est pas le mal Tetris, ça. Mon gars. Change. Voilà. Qui va trembler pour la première fois dans cette partie. Ah non, parce qu'il avait fait des combos. Non, ah, non, il a, non, non, il a non fait t'avais un cube. Ah. Ouais, bon, ça va pas faire non plus le maximum de dégâts, mais c'est chiant. Il va devoir récupérer ça, Jiria, quand même sous ouais, pas mal de dégâts. Il contre tout de suite hein, avec un petit hit, histoire de clear le board tranquille. Oh là là, c'est. Un Anix là qui commence à être mal joué dans le bourbier. C'est mal joué. Je sais qu'il a voulu dire quelque chose. Oh là, c'est mal joué, c'est mal joué, c'est dommage. Ok, là. Ah, tu viens le pas la barre. Les ah ouais. bleus, Jiria, c'est pas mal. Les bleus qui sont allez, le tout t. à droite là, si tu les détruis. Le vert, allez, le voilà. vert direct à droite. Le vert direct devant, dedans. Non, à droite. Aïe, aïe, aïe. Ouais, alors Tetris, c'est horrible parce qu'à chaque fois que quelqu'un joue, personne joue comme toi, tu veux jouer. Ouais, c'est le pire truc. Mais non, pas là. Non. Mais des fois, le mec voit. C'est pas mal, c'est en train de faire Jiraya. Par contre, là, il se dit faut qu'il récupère ses bleus tout à droite. Mais comment les récupérer? Faut qu'il réussisse à glisser des bleus. Faut savoir que les pouillons se séparent hein, si jamais tu les mets. Ouais, sur ouais, ils se séparent sur une colonne. Ouais, si tu en poses une sur une colonne et que tu laisses tomber l'autre, ils vont se séparer en deux. Là, tu t'es un peu bouché, Gigi. Ah, là, Gigi, qui est pas si mal que ça. Hein. Bah, il a quand même des trucs. Ah, c'est pas mal. Il a des armes, hein. S'il a un violet, il est bon. Hein. Ça revient à côté Nanix. Ouais, là. C'est un peu le bouchon noir hein, quand même. Hein. Ah, les deux sont attention, attention. J'ai l'impression que celui qui a le potentiel de faire le plus mal, c'est évidemment Jiraya, parce qu'il a plus de oui, potentiel d'attaque sur le, c'est sur là, le terrain. C'est là. Est-ce qu'il va changer ça, change ça, ça fait un hit, c'est pas grand chose. Ça non plus. C'est ah pas non, ouf. C'est que des hits, c'est horrible. Bah oui, parce qu'il a oublié de décaler ses raccords. Mais là, il peut faire. Oh, un et peu là, ça plus. Va taper. Voilà le 2, alors que l'autre est très très haut. Va-t-il se relever de ça? La réponse est non. Et c'est un non. Je pense que c'est un non ferme et définitif. Voilà. Jiraya, il remplace qui, Alex? Et c'est au tour de Maxime. Incroyable. La donc toi, Junpei, t'as joué contre la Gige. Moi, j'ai joué contre tout le monde à part toi. Tu restes sur Tetris? Donc, Gigi doit jouer. Non, Max. Non, je vais pas assez vite à Tetris. Donc et Genius, je vais essayer Puyo. Ah, oh bah, t'as bien raison. Allez, Bitel. Je fais pas. Tetris, je suis trop. On est trop lent, tu vois, pour être efficace, je pense. Ouais, c'est ça, je suis trop lent. C'est vrai, pas faux. Mais l'avantage de poser la pièce directement avec la flèche du haut sur Tetris, ça, c'est quand même pas mal contre un joueur Puyo Puyo, parce bon, que lui, bah, il peut bon pas chance, le faire. Ouais. Ouais. Après, vous n'avez pas la même taille de terrain. Sur, ouais, sur ouais, Puyo, vous avez comment un tableau de 6 colonnes pour 15 lignes, je crois. Et à Tetris, vous avez je sais pas combien de colonnes. Il y a pas mal de colonnes. Et donc, il y a beaucoup plus à remplir d'espace et tu fais moins mal de base avec une attaque à Tetris. T'as pas de chaining aussi puissant qu'à Puyo, quoique ça se discute encore, il y a du chaining quand même à Tetris et qui reste très très fort. Là, donc là, les deux ont la même distrib, donc là c'est vraiment even. Toujours essayer de faire deux hits, ah, Max. Bah, j'ai fait un double. Un non, double. T'as fait un double. Un parce qu'il a quand même moins fort que deux dans le jeu. Ah d'accord. Et est-ce que il y a des champions du monde de Puyo Puyo ouais, Tetris des... Oui, il y a des... alors Puyo Tetris, il y a des championnats japonais, mais pas de championnat du monde, mais de Puyo Puyo, il y a des championnats du monde qui existent. Hein. Vous pouvez jouer sur le jeu Puyo Versus, hein, qui est un free-to-play online qui te permet de jouer à Puyo Puyo online contre les... Ah, faut pas que je fasse ça. Tout niveau dans le monde. Ok. Et avec une bonne communauté qui vous apprend généralement... les combos hits et tout. Les combos et à progresser. Voilà, Puyo Versus. On est deuxième version. Le jeu est très stable. Ça se joue online contre... super bien contre tout le monde. Après, Puyo Tetris est plutôt, surtout sur PC, une version très stable si tu joues online en filaire. C'est bien. Alors, attention, parce qu'il a quand même pas mal là qui va de Puyo sur son terrain, Jiraya. Il va mettre une petite ligne, mais finalement, Maxilan n'est pas tant affecté ouais. Parce que ça. Parce qu'il faut qu'il réussisse. C'est assez even, hein, c'est assez even pour l'instant. Okay. Max qui peut clear un petit peu son board ouais, là. C'est pas évident. La difficulté à Puyo, c'est vraiment d'identifier quel est ton domino qui va entraîner la réaction en chaîne. Une fois que tu l'as identifié, tu poses un autre domino devant, puis un autre domino devant. C'est vraiment ça l'idée. Dans tout ce bourbier, par exemple, imaginons tu prends l'écran de Jiraya. Tu vois les. La... Oh, voilà, il est bien. Oh, il est bien. Oh, là, ça gagne. Là, c'est terminé. C'est la mort. C'est la mort. Là, j'ai fait trop de 1-1-1-1. J'en recevais que 1 et à chaque fois, C'est à chier. Il faut savoir qu'à Puyo, plus la partie dure, plus les dégâts vont être forts. Donc vous allez faire de plus en plus mal au fur et à mesure de la partie pour que les gens finissent par se tuer au bout d'un moment et que ça dure pas des plombes. Donc il faut quand même essayer d'attaquer le plus rapidement possible et pas trop faire durer la partie. Sinon, c'est un peu comme les tirs au but. On sait jamais qui va s'en sortir vainqueur à la fin. On l'a vu. Tu veux vraiment parler de ça là ce soir, Ken? Je ne veux pas parler de rien. Moi.
Je ne veux parler de rien. Ouais, laisse tes verts, ils sont bien là, tes verts. Très très bien. Par contre, tu vois, en mettant les bleus là, tu bouches un peu. Tu vois, on peut envisager sur l'écran de Maxildan le bleu comme étant son starter domino. Okay. Il a mis un domino devant qui est vert. Donc il faut qu'il monte une colonne de vert et ensuite qu'il pose des bleus au-dessus de cette colonne. Enfin, c'est ça l'idée. Et il recommence la colonne d'après. Tu vois, Jiraya, il a son jaune, c'est vraiment son début de domino. Mais une fois que les verts auront cassé, tout va pas s'aligner parfaitement. D'ailleurs, là, il a un peu. Là, c'est dommage, il aurait pu faire un quadra le Gige. Après, c'est pas grave, il a mis les rouges convenablement. S'il remet un vert sur les jaunes, eh bien, il a 3 hit combo de fait. Il faut qu'il vraiment. Ouais. Met le vert ici et là dès qu'il fait un jaune il aurait pas pu bleu là, il aurait pu mettre les bleus tout à gauche, c'est vrai, ça leur aurait fait un hit en plus. Voilà. Après là le double, le double, c'est pas mal, bien joué. C'est une bonne attaque, ça va faire mal. Par j'ai contre perdu. Il casse une partie de son schéma, il perd un hit en tout cas son schéma non de base, qui est non il a bougé non il a bougé Max, oh non bien joué mec. Oh je suis tech. Ça c'est, t'inquiète, c'est la pression, c'est la pression. Max, on connaît, c'est au tour de Norman le Genus. Comment? Hein? J'essaie trop de faire. Mais si t'arrives à faire 4, t'as gagné, mais c'est dur. En fait, déjà fais-en 2, ouais, je pense que t'en fais 2, c'est bien, tu vois. Le secret de Puyo, c'est vraiment l'ordre. Créer des colonnes de 3 de la même couleur. Si t'arrives à faire ça, juste créer des colonnes de 3 de la même couleur. Je vous assure que. Non, mais tu vois, le mec qui est dans l'abus, le vaccin, je fais ça. Les gens qui ont déjà regardé des émissions où on fait des jeux de cartes avec Zary ou quoi, tu vois, ou même avec Rof, le savent. C'est quand il y a un truc où tu peux faire un combo x10 ou un combo x2. Ouais. Je jouerai toujours ma pute de vie pour faire un x10, tu vois. Ouais. Quitte à perdre. Et ça, ça me fait perdre à chaque fois. Bonne chance, Genius, qui va me massacrer. Non. C'est parti Jiraya. Et là, Jen, Jiraya, Jiraya est en train de créer une. Mais oui, c'est très bien. Continue de faire des crêpes, Jiraya. Non, mais attends, la giche, il fait un truc, mon gars. Les crêpes, c'est très bien. Tu les entasses comme ça, tu entasses 3, des tas de 3, dès que tu peux, tu entasses des tas de 3. Voilà, et tu vas forcément créer des combos avec ça. Tu vois, là, t'as 3 hits, avec le jaune, t'as 3 hits. Là, c'est pas mal. Il a préféré le tempo, mais là il peut le placer. Il peut encore starter son jaune ici. Toujours pas fait. Compris, Jumpé, tu vois, tu le vois le combo là. Ouais. Tu l'intuites, tu le sens. Le problème, c'est que là. Il attend trop, il se fait boucher, c'est normal aussi. Norman d'ailleurs, mais là il va pouvoir déboucher. À la Norman qui. Là il trace Norman, il y va à fond, il veut bloquer le Gigi. Mais le problème c'est qu'il s'auto-bloque des fois Norman avec ça. Après il a très bien compris la méta, ce que j'ai expliqué c'est qu'il faut jouer vite à Tetris, sinon Puyo ça te détruit. Donc il a compris, il pose vite ses pièces même s'il fait des trous pour essayer de faire le maximum de dégâts. Voilà, il va essayer d'enchaîner. Oh le double vert, non le double vert il va être bien. Le vert là, il y a rien derrière. Absolument rien derrière, il est rebouché juste après. Par contre Jiraya se débouche assez bien. Voilà, il se débouche très très bien. Encore libéré. Elle a le violet. Là par contre ça va faire mal. Là ça va faire très très mal. Le quadra. Et là c'est la mort. Oh là là. Jiraya il est chaud. J'écris de début de fou. Tu sens un quadruple, la game. Il faut jouer à Puyo. Le tour de Ken. Et là, c'est là-bas. Et pourtant, Genius n'a pas démérité. Juste jouer à Puyo. Il a joué vite. C'est ce qu'il faut faire. Ouais. Il a compris. Genius joue vite, mais peut-être un peu trop vite parce qu'il y a des fois où il fait vraiment des sales trous et quand il peut pas poser, merde. Il devrait. Ouais, terrible ça. Il devrait switch. Et là, voilà, il le fait, mais il se retrouve un petit peu bloqué. Du coup, il est obligé de créer un trou à gauche. Il était pas obligé. Un T pouvait remplir ce. Là, puis il avait un endroit où le placer aussi son J, mais là c'est pas mal. Là par contre, la giche qui peut construire, combo de Jiraya. Mais là, les bleus, focus les bleus. Là, c'est les bleus, là c'est les bleus tout à gauche. T'en fais tomber un, juste tourne à plat. Là, Genius, il peut peut-être niquer le truc avant que ça arrive. Genius, il faut une barre là, il faut vite poser. Là, c'est la panique là. Pose J, tourne. Gigi, allez. T'es pas obligé d'avoir deux bleus. Hop là, et là, on va bloquer. Attention là, la giche, il va y aller fort quand même. Il a contré, je crois qu'il a contré un Jiraya avec son 2. Il a contré avec le double hit qu'il a fait derrière. Pose, voilà, il a contré. Faut que tu poses tes bleus tout à gauche, Jiraya. Faut que tu tournes, voilà. Et là, tu startes tout à gauche. Et alors là, mon pote. Voilà, et là, regarde. Paf. Paf! Oh non, l'apocalypse! Et paf! Oh, l'apocalypse! La monnaie! Genius qui est tout en haut maintenant, qui va devoir survivre, tel Genius le survivant, le seul, l'unique. Regardez à la vitesse à laquelle il pose ça, tout droit vers la mort, tout droit vers les étoiles. Genius, il est là, peut-être pour essayer de positionner. C'est mort. Un peu plus haut. C'est terminé. C'est fini. C'est incroyable. Oh.
Ah ouais, c'est bah un ouais. duel Tetris, il aurait fini deuxième et là il se fait enculer. Ouais, c'est abusé, hein, Puyo, c'est vraiment le truc de la honte quoi. Mais non. Comment ça, t'es en train de te faire 6-0 de honte? Non, mais c'est abusé quoi. Bah. Pff. Désolé les gars. Non, non, désolé, non, non, gars, en fait, désolé. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, mais ça fait mal. J'ai testé Tetris une fois pour voir, j'étais en mode je sais pas jouer. C'est comme si on faisait un duel sur Guitar Hero et genre il y en a un qui joue à guitare et l'autre à la batterie. Ça a aucun rapport, tu vois, t'étais en mode. Bah ouais, ouais, c'est, non, c'est vrai que faut jouer ça. Plus vite, faut jouer plus vite à Tetris. Ça s'appelle Rock Band. Tu joues au Tetris ou Puyo toi? J'en ai aucune sainte idée là. Je me tâte à jouer Puyo du coup. Non, c'est le jeu est évidemment déséquilibré, mais c'est deux jeux en un. Vous pouvez jouer de façon totalement symétrique et le fait de pouvoir affronter un style de jeu avec un autre qui n'ont rien à voir. Allez. Bon, c'est un peu tard maintenant, mais je me dis, est-ce que ça aurait pas été plus. Bon, je vais pas dire faire parce que bon, les mecs ont bien joué, y a pas de souci, mais de faire, tu sais, genre un truc où on s'affronte tous sur Puyo, puis tous sur Tetris, tu vois. Ouais, après le but c'est long. Le jeu s'appelle Puyo Puyo Tetris. Bah c'est ça, le but c'est de choisir ton groupe. Ouais, tu vois, ouais. C'est en vrai, ça. Oui, mais tu dis toi-même que c'est pas équilibré. Toi, à Tetris. Bah, c'est pas équilibré, mais en vrai non, c'est juste qu'on n'est pas assez fort à Tetris. Mais je pense que vraiment, si par exemple Tetris il joue, si Ken il joue à Tetris, vous allez aller trop vite, tu vois. Il va aller trop vite et du coup on peut pas faire les combos. Ouais, j'entends. C'est juste que personne joue assez vite. Et le seul qui joue vite c'est Norman, mais il fait quelques erreurs. Donc voilà. Bien ce que tu fais, Jiria, c'est très très bien. Là il est propre, il est propre. Tu vois, si le jaune tu veux le casser, faut que t'aies un rouge au-dessus. Tu vois, c'est comme ça que tu dois raisonner, Jiria. Pour toi, mon bon Beetle, ici c'est plutôt un bleu. Lorsque les rouges vont casser, c'est le bleu qui va se descendre ou le vert. Jaune, c'est vraiment trop trop bas. Voilà, donc tu vas décaler, te réunir les trois jaunes. Oh, non. Et maintenant, il faut que tu penses évidemment à connaître ton starter. J'avoue que d'un point de vue spectateur, des fois c'est frustrant parce que tu vois pas ce que l'autre, enfin ce que le joueur veut faire. Ouais. Et toi, t'as un plan de schéma dans ta tête. Putain. Et des fois, t'es en mode, mais putain, pourquoi il fait ça? Et en fait, il te baisse parce que lui, il avait un coup d'avance. Quoi. C'est pas mal. C'est souvent que les joueurs de Puyo au début voient pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est souvent que t'as des lucky hits hein, dans le jeu. J'imagine. Même à haut niveau, hein, d'ailleurs. Ah ouais. Même à haut niveau, très très souvent, t'as des lucky hits parce que tu vas avoir des Ojama qui vont décaler un peu tout. Ah, ça fait mal hein, ce que t'as envoyé, Jiraya. Oh là là, allez, bon courage. Ah, Jiraya veut tuer. Jiraya, il a trouvé peut-être un mokubinisme. Il sait que s'il met rouge sur rouge. D'accord. C'est pas mal en vrai parce que. Un, deux. Il faudrait lâcher un rouge au-dessus. Un seul... Là, s'il fait péter le vert à gauche, c'est royal. Là, le vert à gauche, ouais, mais il faut un vert aussi sur la troisième colonne, sinon ça n'est pas bon. Beetle, je te conseille de casser, voilà, le plus rapidement possible. Tous les Ojama Puyo, c'est eux qui te gênent. Détruis-les tous. Oh et là, tu peux récupérer les jaunes et là, t'es bien généralement. Non, pose pas comme ça. Dommage. Ah merde, putain, je pensais que j'en avais. Oh, pardon. Il faut les tourner. Ah merde, ça marche pas comme ça. Par contre, on backseat. Allez. Non, ça va en vrai. Bah, j'aide un peu, évidemment. En vrai, on aide les deux là. J'aide un peu. Enfin, surtout. Je vais être très honnête, quand vous parlez, je ne vous écoute pas. D'accord. Jiraya, il est concentré de ouf. Non, mais c'était moi tout à l'heure, j'avais coupé le micro parce que ce connard il était là. Eh, c'est perdu, c'est perdu, Jumpé, c'est perdu. Ça c'est fait exprès pour. Mais je sais, évidemment. J'avoue que c'est deux poids, deux mesures. Hein, quand Jiraya joue, on l'aide. Et quand il joue pas, il encule les autres. Pose la plat. Voilà. Beetle il a fait un très beau combo là. Il va pouvoir redescendre un peu. Oh la vache, ah ouais. Et je vous ai dit, là maintenant vous êtes rentré dans le serious time, les dégâts sont quasiment multipliés par deux, donc si vous faites des combos, ça va faire mal. C'est pas mal. Beetle récupère tout ce qu'il a. Beetle il prend. Oh là là. Let's go. Eh ben c'était pas donné hein. Il a gagné la partie avec moins de points au total que Jiraya. Il a juste fait un double combo à la fin. Ouais, à la fin avec des dégâts augmentés, ça. Mais t'as vite fait de te bloquer les couilles hein, sur Puyo. Et oui. Ah c'est vraiment un serre-couille. Un coq bloqueur. Un coq bloqueur, c'est le mot que je cherchais. Merci beaucoup. J'ai du vocabulaire. Pour toute cette culture et ce vocabulaire. C'est extraordinaire. Oh, c'est pas mal ça. Mais c'est pas mal du tout ce que fait Jiraya. Ouais, trois combos d'entrée de jeu. Le petit compte, il va prendre quand même deux lignes hein, dans l'histoire. J'ai l'impression qu'il est pas content d'avoir perdu cette game. Hein. Gigi, il est en train de développer toutes les strates possibles imaginables pour casser ça. C'est pas. À gauche. Dommage, il aurait pu setup son truc juste après. Ah merde. C'est pas très grave. On repart. Là, c'est joue. C'est pas tellement mal. Plus facile quand tu regardes de voir. Mais oui. Tous les que, trucs. Quand, ouais. Que quand tu joues. Genre là, moi, je regarde et je suis en mode. On est d'accord. Mais tu fais ça. On est d'accord. Et quand je joue, je suis de merde. Et ouais. Je vois pas le jeu pareil. C'est je vois pas les combinaisons.
Je vois totalement ce que vous voulez dire. C'est normal. Ouais, là c'est bien. Quand je pense qu'on est sous tension, c'est compliqué. Ah. On a plus le temps de réfléchir aussi ici. On n'est pas en train de poser les pièces et d'avoir géré son skill. Gigi qui a pas mal de setup aussi. Je pense que dommage, il s'est bloqué les bleus parce que sinon ça faisait un beau hit combo. Ouais, mais il a compris Jiraya qu'il fallait pas casser. Il a quelque chose de pas mal, même si c'est pas spécialement ce qu'il a. Ouais, mais s'il prend une petite pénalité. Okay. Comme ça. S'il a pas de compte, ça va faire mal. Il y a de quoi survivre. Si tu réussis les mauves, peut-être. Ici, Gigi, alors peut-être. Ah, les jaunes qui se sont bouchés immédiatement alors qu'il avait une distribution de jaunes énorme juste après. Là, il y a quasiment plus d'espace. Et c'est fini, Pitel qui remporte ce match. Bien joué, Bitelu. Il était dur. Hein. Pourtant, il était bien parti. Il était très bien. À la fin, je me suis retrouvé bloqué. J'avais tout le setup. Et surtout, je faisais pas les bons moves. Moi, j'ai déjà joué contre Jiraya. Là, tout le monde a joué contre Jiraya. Bah, je crois que c'est bon. Genius d'y aller. Tu peux faire mes matchs. Non, Genius, c'est à toi. C'est à moi. Genius contre Bitel, vous avez pas joué ensemble, non? Non. Voilà. Ça reste. Bitel, tu restes, hein. tu peux le tuer maintenant que t'as un Puyo. Ken, tu vas nous faire une holy finale en bam bam, tu vas tous nous détruire, ça va être J'aurais littéralement, je pense, 5 minutes hein, pour vous détruire, donc puisque le temps passe quand même très vite. Et je sais pas combien il reste de match, on peut peut-être regarder. Non, mais on la régie dépasser, m'a dit qu'ils étaient là jusqu'à 1h du mat, c'est tranquille du coup. Ils sont là jusqu'à demain. Oui, 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 il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Ils m'ont même dit s'il y a tournoi et qu'on veut recommencer à la fin, il n'y a pas de Puyo incroyable. Genre quand on finit ça, on peut faire une spéciale Tetris. Puis une spéciale Puyo derrière et re-Tetris derrière. Après, on se fait un petit worms. Regardez en tout cas, donc Ted Puitel. Exactement. Moi, je fais le son, il n'y a aucun problème. J'appuie sur les. Oh là, c'est parti, hein, c'est parti très vite. C'est moche. C'est parti très vite et c'est très moche. Je crois que cette fois-ci, c'est moi qui vais pas. C'est le World Trade Center que tu nous fais là où j'ai mis manip, excusez-moi. Ah ouais, là, il y a un gros miss manip là, mais pour Norman, son vaccin le fume, en gros, vraiment. Ah ouais, vraiment, là, c'est le vaccin, c'est clairement le vaccin. Il est en plein fight. Mais il a mal de ouf au bras, il peut pas jouer, gros. Non, mais c'est vrai. T'es paralysé, Norman, là? Non, je troll pas, je troll pas. J'ai très mal, mais c'est pas que ça que je perds. Ah, t'as vraiment très mal? Oui, oui, mais non, mais ça va. Tu es dans la douleur là? Il a vraiment mal. Mais ça fait un bleu comme tout le monde là, ou genre tu non, il a vraiment mal. Le storytelling, le français. C'est incroyable. Malgré la douleur, tout ce qu'on lui dit, il est en train de revenir dans la partie. Mais il remonte tout. C'est toujours difficile avec Norman de savoir s'il est en américanisation ou pas du tout. En vrai, tu sais. Là, c'est bon. C'est un vrai ami et il est vraiment très mal. Plus qu'un à poser sur le verre. Le problème, c'est que toi, c'est pareil. Oh oui, il y a du vide. Jiraya lui a check. Vous pensez à avaler quand on. Non, mais là, il a été con, Jiraya aussi. Parce que là, c'est plus du gobage de chibre. Non, mais c'est un vrai ami, Norman. C'est un mec sur qui on peut compter. Ouais, bah c'est pas attendu, c'est même quand il est malade, 42 pièces. Oui, par contre, Norman, hier, on devait partir ensemble, il est parti avec Nanix. Ah, mais c'est un vrai ami. C'est un véritable ami. Et après, ce matin, tout à l'heure, il m'a dit j'avais oublié. Le véritable ami. Mais c'est un vrai ami. C'est un véritable ami. Norman, t'es avec toi? Bah ouais, je l'ai déposé. Ah, ok, d'accord. On avait dit qu'on rentrait. Ah, Bitel fait un gros 2 hits là, ça va peut-être faire des dégâts. Par contre, il a fait beaucoup de 2 hits. Pourtant, il joue bien en plus. Normal, franchement. Non, mais Puyo, c'est vraiment. C'est trop pas fort. Mérité, gros. Il a des trous, il a des trous. Bah, c'est mérité parce que j'ai fait 6-0, quoi. Donc. Merci de le préciser. Voilà. Évidemment. Ouais, ça, j'avoue qu'il joue bien. J'avoue qu'il joue bien. Mais ouais, ça dégoûte un peu. Il mérite pas de se faire enculer comme ça. Mais en vérité, à Tetris, voilà. Et là, c'est beau, là, ce qu'il nous fait. Ça, non, allez, c'est pas mal. Voilà, là, il va envoyer des dégâts. Et non. Vous l'avez trop saucé. Bon, là, tu mérites de perdre. Tu me fais chier. Pas se rater. Le revirement total. Vital, il construit bien aussi, hein, n'empêche, mine de rien, parce qu'il prend un petit peu la sauce et il s'en sort bien. Il essaye de jouer vite pour aussi être impactant. Donc, ça, c'est quand même important. Après, dommage qu'il triche en jouant Puyo Puyo, quoi. C'est vrai que c'est. Ceux qui n'ont pas fait 6-0, ils peuvent fermer leur gueule. Ouais, mais tu vas te faire 6-1, je pense. Il est dans le mal. Allez, Genius, tu peux le faire. Surtout, ne bouge pas le trou que tu vises. On m'avait dit deuxième place sur Puyo Puyo. J'avoue, j'aurais signé aussi. Ici, n'en change, pose-le là. Je maxite toute ma race, rien à battre. Oh, t'es bon là. Oh, t'es bon, tu fais rêver. Oh, non, oui. Oh, tu fais rêver. Oh, mais t'es comme ça. Quand t'es comme ça, on pourrait faire un enfant. Oui, c'est possible. Oh, oui. Tellement bien placé. Oui. Tout à droite. Attention, ouais. Le mérite de gagner. Tu mérites tellement, gros. C'est pas. Désolé, Bitel, c'est pas contre toi, mais. Mais Genius, c'est trop fort, je suis full construit, qu'est-ce que tu me racontes? Non mais t'as pas vu ce qu'il a fait. Non mais Genius, c'est trop fort, gros, il mérite tellement. Franchement, il mérite de gagner, mais il perd, quoi, c'est
C'est une... la phrase terrible. La phrase terrible. La phrase terrible. Mais ouais, mais on méritait de gagner. Il a mieux joué, mais il a perdu. Et on mérite tous de gagner, mais au final, on verra pas l'écart. Et c'est ça la tristesse. En vrai, hier, on méritait de perdre. Hier, on méritait, franchement. On méritait de perdre. Oui, de perdre. Ouais, voilà, c'est une question de point de vue. Allez, Genius, t'es tellement bien. Ça construit de façon propre. Surtout, pense les Tetris. Ah, il est voilà, propre, voilà, voilà. Allez, oh, là, par contre, là, ce qui met, là, c'est parfait. Nickel. Ouais, mais là, il gride un peu, là. Swap, doucement, si doucement, tu... doucement, 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 doucement. Non, fais pas trop. T'as pas besoin de fais faire pas trop. Voilà, voilà, grid. C'est parfait. Grid. Grid comme un sale leader. Oh là, t'es putain. Oh là, il est greedy. Oh là, il est greedy. Mais pas Genius. Genius. Va pas y aller, là. Swap pas ça. Prends les barres. Allez, deuxième, Genius. Tu peux le faire. Il y en a une. Allez. Fonce. Allez, une deuxième, Genius. Allez. Encore. On peut en mettre une troisième. Tu penses. Pèse-le. Pardon. Voilà, c'est pas fort, c'est triste, bordel de cul, c'est pas fort. Regardez-moi toute la merde qui se passe. Ouais, sur mais la t'as gueule. Vu ce qu'il a dû faire pour arriver. Il a rien ça, fait, il a fait de comment Tetris. Ça, il a rien fait, il est trop fort au jeu, c'est le meilleur joueur. Il a fait de Tetris. Il a fait 18 combos, gros, de quoi tu parles. Bon, il va perdre quand même, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'il va perdre quand même. C'est ça qui est triste parce que Bittel il lâche rien. Bah, t'es Bittel, il lâche rien. Les jaunes, Bittel. Focus les jaunes. Ah, ouais, gueule, ça, gueule. Ça c'est beau, ça c'est beau. Oh là-bas, oh là-bas. Il a failli paniquer, là, il y a un petit tremblement. C'est fini. Oh, petit Tetris sa mère. Tant qu'il libère sa troisième colonne, ce qu'on appelle le gros intestin, eh bien tout va bien. Généralement, tout va bien. Après, vous voyez, sur la troisième colonne, t'as la petite croix. Dès que tu touches la croix, c'est terminé. Hein. C'est mort. Oh là là, Geniuses! Genius, il va envoyer quand même un peu de dégâts derrière, histoire de mettre Bittel sous pression. Bittel qui subit quand même énormément de pression il, là. Il en tient plus, bien, il tient bien la pression quand bah même. Bah ouais, mais seuls les bleus et son salut, il a pas de bleu. Ici, des jaunes qui commencent à arriver, il faut réunir par trois. Est-ce qu'il peut casser ces jaunes là? Oh, allez, il n'y a pas de trop derrière, malheureusement. Là, c'est chaud. Ça, il peut le faire. Là, il y a 1-1. Est-ce qu'on peut faire un silence total? Aucun backseat pour personne. Ok. Allez, vas-y la barre, là, direct. Alors bon, c'était sûr. Je backseat pas, mais je précise que si tu avais détruit tes pouillots là, Bittel, tu faisais un vidage. Et mais donc, oui, tu bien oui, t'as raison. D'un bonus oui, de puissance juste après. On ne dit plus rien. On dit plus rien. On dit plus rien. Oh non, Genius, Genius, wow. Tu dégoûtes, mais on ne dit plus rien. On ne backseat pas, mais on peut, on peut insulter. Hein. On peut hurler. On peut hurler, c'est tout. Voilà, superbe. Allez, superbe. C'était pas là qu'il fallait insulter, mais quelle salope quand même là. Exactement. Bon, c'est pas là qu'il fallait le mettre, mais on ne dit plus rien. Vas-y. On dit plus rien. Mais ça nous regarde pas. Ça nous regarde pas. Voilà. On dit plus rien. Et il me semble que c'est un problème d'avec sa femme, mais ça ne nous regarde pas. On ne dit plus rien. Il est tellement fort. Il lui faut 18 grandes barres, mais il les a. Au fond de son slip, il les a. Je le sais. Il peut aller les chercher. Regardez. Allez, à droite. À droite. Allez, on bouge. Bouche noire. Dans le bouche noire. Bien sûr. Dans le bouche noir. Putain, j'ai dit on backseat pas, je backseat, je suis un fils de pute. Non, ta mère. Quand même. Dans la propreté, il n'a pas de bar, il n'a pas de bar mitzvah, il est seul. Non, mais bouge. C'était à gauche. C'est vous qui va crever il tout seul. Il a dans ses bars. Vas-y, mais c'est pas mauvais. C'est le pire choix possible. Incroyable. Elle a réussi quand même à ouvrir la colonne. Là, si à combo, c'est dead. Hein. C'est oh ma tête. Deuxième Genius, pose vite. Il est tellement fort. Il a grid quand même, gros. Oui, il a grid, mais il est trop fort. C'est du risque maîtrisé, la peur n'est pas dangereuse. Ah, le beau jeu, là, il y a qu'un hit. Ah oui, putain, c'est plus des trucs qu'il y a à droite. Il y a tellement de trucs, mais ça fait rien. Ah, il est très très haut quand même, Genius, sachant qu'il a énormément de coups en bas en voulant jouer vite. Mais Bittel est au final avec un pied. Bittel qui a marché sur une crotte et qui glisse malheureusement. Oh merde. Là, il a eu la lusure. Genius, tu peux rester là, tu vas faire tous tes matchs. Oh, quel dommage. Allez, Genius, qui n'a pas joué contre Genius? Max a joué contre Genius. Désolé, mais on était contre toi. Tu me pètes Genius, t'as fait. Ouais, je l'ai battu. Mais non, tu l'as battu. Impeccable. Nanix, t'as joué contre Genius? En fait, j'ai joué contre tout le monde. J'ai joué contre tout le monde sauf Max. J'ai joué contre Genius, pardon, j'y vais. Gigi, t'as joué contre Genius, toi? Ouais, t'as affronté le boss du boss. Je l'ai 2-Z. Ah là là. Il reste combien de matchs? Il reste peut-être pas beaucoup de matchs. On voit un petit tableau des scores. Ouais, j'ai 22h10. Tu es cap?
Petit récap, donc Zari est devant, hein, 6-0, hein, Junpei 5-1, Jiraya fait ses 6 matchs, tout à fait. 3. Ah non, il y a 7, enfin 6 matchs. T'as fait triste, non, t'es trop donc fort. Donc il reste un match pour Genius. Attends, tu refais. C'est parti. 2 matchs pour Bittel. Oh, Nameless, il est au fond là. Et Nanix ici, donc là on va avoir un Maxi Dan face à Norman Genius. Allez, oh putain, c'est parti très très vite. Et on a Norman qui. Il reste combien de matchs après? Bah, c'est Bittel qui va devoir jouer ces matchs là. Ouais, après ce sera Bittel et ensuite on jouera tous contre Ken. Exactement. Enfin, on sera tous détruits par Ken, c'est pas grave. Voilà. Ouais, Ken, tu vas jouer à Tetris ou à Puyo? Ah, je joue à ce que vous voulez. Oh, tu vas jouer à Puyo. Oh là là. C'est vous qui choisissez pour moi. Tu joues à Puyo, tu joues à Puyo. Non, 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 je veux que tu joues à Tetris contre moi, gros. Vous, ah, mais t'es sûr, gros? Ah oui, oui. Non. Chaque adversaire décide contre avec quoi il joue. Voilà, c'est vous qui décidez à quoi je joue. Ok, c'est parfait ça. Oh putain, avec Zari, tu vas demander Tetris. Bah, évidemment, gros. Incroyable. Je suis le meilleur joueur de Puyo. Il va t'arracher, gros. Bah, il va m'arracher, mais tant mieux, gros. Que ça se finisse vite. Non, mais attends, je suis curieux de voir si c'est en effet ça va être quelque chose de fou. Il va t'arracher ou alors. Après, je me rappelle que on a fait un pop and play et que il avait choisi Tetris et que le viewer a baisé Ken. Hein. Tout à fait, tout à fait. Le viewer m'a tué. Hein. Ah putain, ouais, il me baisse. Hein. Le viewer m'a tué. Mais c'était un monstre de Tetris, oui. Ah, c'est Rambo. Franchement, il jouait super bien, super bien. Bon après, j'étais en train d'animer en même temps. Évidemment. Je connais. Tu es animateur. Je sais, que je suis capable de parler et de faire du vélo en même temps, mais non. Il est fort, hein, PC, mais moi par contre je veux absolument Genius, voir par contre son level, what the fuck, c'était il me cancel tout. Et ouais, vous avez vu à quel point c'est chiant Tetris, ça vous chie à la gueule en permanence, hein. C'est vraiment bah, comme quand t'es contre un mec agressif contre comme c'est ça, c'est aggro, voilà. C'est vraiment le groove aggro, hein, alors que en fait le truc c'est que moi vu que je suis en 6-0, c'est moi qui vais jouer contre Ken à la toute fin, donc je vais voir toute l'étendue de son pouvoir. Ah bah là, ça va être le moment. Mais n'importe quoi. Bah si, je vais voir toute l'étendue de ton pouvoir. En fait, du coup, ouais, c'est bien les mots bleus. C'est bien les mots bleus. Ah non, tu m'as baisé. Non mais prends les bleus. Laisse les bleus libres. Oh, what the fuck, step bro, c'est trop bleu, là. Bleu libre. Voilà, pose ça dans le trou. C'est un génie. Allez, tu peux voir. C'est un génie. T'es le meilleur, t'es le meilleur. Comment a-t-il pu perdre seulement un match, Genius, gros? Il est trop fort, gros, c'est hallucinant. Franchement. Et comment Junpei, il a réussi à le battre? Il est trop fort aussi, hein. Ouais, j'avoue, Junpei, t'es au-dessus, hein. Bah, gros, en vrai, t'es Junpei, Junpei est monstrueux. Ah ouais, bah j'ai tout donné, quoi. Tellement au-dessus. Non, mais pas, enfin, il est au-dessus, mais regarde Genius, quoi. Oh là, mais en vrai, tu peux pas lâcher la souris. Tellement bien. Ouais, deux hits ici, c'est un peu simple, hein. Mon petit Max, ça va pas. J'y vais. Ça va pas tuer l'éléphant de Levallois, là. Jamais L'éléphant de Levallois. Mais oui, évidemment, c'est lui. Et c'est vraiment grâce à sa trompe qu'on l'a fait comme ça. Ah, c'est de la merde ce que je fais. C'est en rapport à ce qu'il a dans le Falzar ou ouais. Non, c'est parce qu'il trompe énormément. Oh. Aïe, aïe, aïe. Sa femme regardait le live. Terminé, une histoire. Oh, c'est dur là, je sais pas quoi faire. Oh non, mais Genius, il est trop bon. Je suis tellement lent, gros, je me dégoûte. Ah bah, on peut même nous. Bah ouais, je sais. On est dégoûté, mais on prend du plaisir. On prend du plaisir. Évidemment, être dégoûté. Pourtant, t'es bon. Hein. J'avoue, je suis hypnotisé par ce que fait Genius. Oui, moi, il est magnifique. Je regarde que ce. Je ne regarde que il est Genius. Insupportable. Je regarde ses yeux, ses lèvres. Ah, non, mais il est chiant. ça trompe quelque part. Ça trompe énorme. Ça trompe gigantesque. C'est ça gigantesque. Vous êtes dans l'abus, vraiment, les gars. Hein. T'as pas vu l'engin, Xavi. T'as pas vu l'engin. Franchement, les gars, on est privilégié de respirer le même air que Genius. Je pense aussi. Mais on rappelle que Genius est concentré. Oh non, il m'a baisé. Oh, ça fait mal. Genius qui continue à attaquer. En plus, il a un peu d'espace à droite pour placer probablement. Non, mais Genius, c'est pas grave, à gauche. Il va pouvoir remettre. Il faut que tu trouves des combos là, Max. Ah bah, je fais ce que je peux là. Pour le moment, je vide. Hein. Pose les mauves sur les rouges et casse les rouges. J'étais bien. Voilà, pose les mauves sur les rouges et casse les rouges. T'as pas du tout fait ça. J'ai mis gros. C'est... Tu dis trop de trucs. Je peux pas. Ouais, je sais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Il faut réfléchir. Non. Là, je suis déjà en mode. Ouais, c'est bien ça. Rouge sur le mauve. Sur le rouge, toujours pas. Il veut pas faire de combo, Max Hildan. C'est ça. Son problème. Oh, mais c'est dur, gros, vraiment, ça va tellement vite là. Allez, je vais casse les rouges. Allez, voilà, tu casses les rouges. Casse tout ce que tu peux, casse les bleus après. Je casse ce qui vient là. Ah non, pas, surtout pas là. Ouf, on a évité la mort de justesse. Là, c'est chaud côté Maxi Dana. On va pas se mentir. Que... Ah, il faut des mauvais après. Côté Maxi Dana, oh, il va pouvoir contrer ça. Ouais, mais non, il me baise à chaque fois. C'est pas grave, t'as des rouges qui arrivent juste après. T'as des rouges, tu peux mettre les rouges là. Pose les rouges là. Jaune à gauche. Oh la sueur. Maxi Dana. Ah, c'était longtemps. C'est terminé. Je suis trop lent.
avec 39 de fièvre, s'il vous plaît. Hein. Bon, qui vient me laver le cul là. C'est au tour de Beatle, il me semble. Allez, t'as joué contre Beatle. Beatle et Nanix, quoi. Beatle et Nanix. Friends Genius. Tiens. Et qu'on le suce. Let's get tu quoi ready to rumble. Bouillon. Je joue Pouillot aussi. Genius. Voilà la vraie version. La tête de Crazy Frog. On peut remettre un peu le classement, s'il vous plaît, actuellement, histoire de voir ce qu'on se fout, de savoir qui est premier et tout. Mais Genius a accroché l'incroyable 4ème place avec sa victoire. Il est le seul que je peux battre. Contre qui t'as pas joué encore? Genius, il a battu. Si je bats Beatle, oui, mais il est en vrai. J'ai pas joué Beatle. Il vient d'enchaîner les matchs, il va me baiser. J'ai pas joué Beatle. Et j'irai. Attends, ils sont pas à jour, non? Parce que. Ah voilà. Non, ils étaient pas à jour. Mais j'irai, tu disais, t'es troisième. Hein. T'es, t'es bien en fait. Hein. T'es bien, tu finis pas dernier du tout. Hein. Oh putain. T'es méga bien. T'es archi en plus, bon, ça, Max peut pas te rattraper. Nanix non plus. Donc il y a que Beatle là qui peut te rattraper peut-être, mais il faut qu'il gagne vraiment tous ses matchs. Qu'il gagne, ouais. Et contre Max Hildan. Pitié, détruisez Beatle. Pitié, détruisez Beatle. Par pitié, par pitié. Je vous en supplie. Mais imaginez le level quand même de. Désolé, mon ami Beatle, mais pour le score, il faut que tu perdes. T'inquiète pas, mec, je sais très bien que tu me détestes. C'est vrai, c'est acté. C'est vrai. Je veux plus jamais te voir avec moi. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, les gars, qu'on vit quand même dans une ère où on a du Federer, du Nadal, du Genius, du Xari. Est-ce que Genius, je peux me permettre de te branler un peu? T'as les mains trop petites. C'est vrai. Attends, ça glisse. Ça glisse. C'est bien ça, Max. C'est bien. Ce 2-hit va quand même envoyer une petite ligne sur. La tête de Beatle qui va immédiatement l'annihiler pour repartir sur Max Vert. Je pense qu'il faut être un peu sale quand même dans le cast, mais là, vas-y Max Hildan, détruis. C'est dur là, il m'a baisé là. Non, non, mais Beatle en fait, Beatle là il domine. Bon, hein, il le dos. Il est bon et il joue pour Ted. Et Ted, je vous rappelle qu'il a 0 points de tout. Là, pour l'association, Ted sans frontières. Ted, c'est plus. Ouais, c'est. J'espère qu'il sera dans tous les stream challenge hein, parce que c'est un client facile. Non, je suis une salope. Je veux dire que là, ces rôles de figurant, ça a payé le plus. Ça a payé la dernière place. Hein. Là, c'est même pas une silhouette. Hein, c'est, allez, casse les jambes. Mais gros, casse les jambes. Mais gros, j'y peux rien. Là, j'y peux rien. Mais j'abandonne pas, j'appuie une fois à droite, ça va quatre fois à droite. Mais c'est pas grave, la pièce que Max, t'avais juste après était aussi un jaune mauve, c'était la même pièce. T'aurais pu la mettre à l'endroit où t'avais raté. C'est Max qui a abandonné. En vrai, quand t'es dans la vraie merde, quand t'es dans la merde, c'est. Non, mais il faut vraiment que tu regardes les pièces qui arrivent. Dans la vraie merde. Ouais. Ah ouais, mais gros, je suis pas assez bon. Voilà, laissez-moi tranquille. Non, ne le laissez pas tranquille, on va l'emmerder. On le laisse pas, pause. Max, t'abuses, bro. Il va essayer de nous amuser. Ouais, ça y est, il est. Je vais crier suffisamment fort. Je vais crier. Faut qu'il m'entende. Max. Pour qui m'écoute et quand je vais baiser. Pardon, c'était. Ça va, mec? Oui, ça va, excuse-moi. T'as le chibre en feu? Non, mais il est fermé là. Non, mais doucement. Alors, là, c'est un qui peut pas ouvrir sa gueule, c'est toi, Xari. Hein. Ouais, parler de chibre toute la longueur de journée là, vous plaît, ça vous plaît. Ouais, c'est vrai. La longueur de journée, mec. C'est vrai, ça, je plus sois. Mais quoi? Si, toute ta vie, ça va pas à nous. Hein. Ouais. Je vous conchis, monsieur. Beatle est quand même mieux parti actuellement dans cette game et un schéma un peu plus compact là où Max Hildan a vraiment démoli à peu près tout ce qu'il a construit pour rien. Le démolisseur. Ouais, il démolit beaucoup. Hein. C'est un jeu de construction. Ouais, et après, mais je suis con, laissez-moi être con. C'est comme Domino D. Hein. Laissez-moi être con. C'est comme Domino D. Une fois la construction faite, tu as la récompense. Domino D. Le truc, c'est clair, en plus, je sais même pas. Je vois pas comment ça fait. Ça fait 3 hits là, c'est bien déjà. C'est un beau 3 hits là de la part de Beatle. Ouais, en plus, il est au Beatle, il a pas de starter là, donc il va être obligé de les prendre parce qu'il peut pas les contrer. Donc il y a moyen quand même de moyenner. Est-ce que Beatle va réussir à récupérer? Oula, il a posé sur sa 3ème colonne. Ça veut dire qu'il faut pas qu'il glisse quand même. C'est chaud d'être aussi haché que Max là, j'ai l'impression. je ne veux pas l'acculer, mais c'est vrai qu'il fait n'importe quoi sous la pression. Il envoie les pics, les premiers pics sont envoyés. Allez, peut-être le mini combo, et non, il y arrive pas. Mais je peux pas en fait, je peux pas, j'ai pas les bonnes couleurs. Mais en vrai, vous avez les bonnes couleurs. En vrai, le truc c'est que quand t'es dans le jeu et que tu n'as pas mérité, il devrait mettre là et tout. C'est. En fait, toi, t'es dans ton truc, j'y mets n'importe mais quoi. Mais je ne peux pas. En fait, je vous entends, ça me baisse. Voilà, mais tu n'as pas démérité, Max Hildan. Dans Tunnel Vision, c'est trop dur. Max Hildan, tu n'as pas. Attends, tu joues quoi, Pouillot ou Tetris? Ok. Mais attends, il reste Beatle, doit faire son dernier match. Beatle, il y a un match de Beatle. Ouais, c'est contre toi, je crois. Ouais, ouais c'est ça. Beatle, Beatle face à Nanix. Mais moi aussi, c'est mon dernier match. Nanix joue Pouillot. Ok. Donc, allez-y. Nanix, ça joue Pouillot. T'as joué contre Nanix, Beatle ou pas? Non,
Ok, d'accord. Donc vous trois, vous avez des matchs à terminer. Donc allez-y, oui, faites-le fait dans l'ordre. Nanix Max. Ensuite, Nanix Bitel. Je vais faire Maîtrise parce que Puyo, j'y arrive pas, je crois. Je crois. Bah après, il te restera toi pour nous pour la destruction. Mais en fait, je comprends la logique. Mais normalement, on sera terminé. Le problème, c'est que au moment où je suis à deux doigts de faire un truc bien. Je me prends des ton blocs cerveau, gris et ouais, je, bloque, ouais, je suis baisé. Et c'est terrible. J'arrive pas à me reset. Tu vois. Nanix, tu vas jouer Puyo ou Tetris alors. Balance. Tetris. Tetris. Allez, joue Tetris. Ouais, c'est bon, Tetris. Ah, il a appris de Tetris. Oh, deux Tetris là. Oh, Genius, yo. Il a appris de Genius, effectivement. Il a appris de Genius. En vrai, je devrais jouer Puyo, mais tant pis. Il y a donné des méthodes. Allez. Après quand on a vu la montée de la grille. Non, le truc, se forcer à jouer à Puyo parce que c'est plus fort pour les débutants alors que tu n'y arrives vraiment pas, juste autant partir sur Tetris. Ou ah, mais complètement. Mais je suis nul à Tetris aussi, c'est pour ça. Tu vois, ouais, mais est-ce que Tetris, genre, t'avais plus l'impression d'arriver à faire sur la touche de haut? Ouais, c'est sûr. Donc voilà, tu vois, je pensais plus pour ton ressenti à toi. Alors attention, parce que là, ils ont tous les deux choisi Tetris, c'est-à-dire que la partie. Il faut la ranger celle-là, Max. Il faut la ranger. Très longue. Mais il y en a d'autres. Oui, bah, il y en a d'autres. Du coup, il se noie dans l'alcool et c'est parti. On continue, on arrive quand même à build quelque chose à côté Max. Bah oui, c'est joli. Max, c'est bien ce qu'il nous fait là. C'est très joli. Là, c'est pas mal, tandis que. Il faut switch pour la balle. Voilà, c'est pas grave de non, pas claquer. Non, pas 3 lignes. Mais si, c'est bien quand même. Non, parce c'est 0, que... c'est 0. 3 lignes, jamais. Ça n'existe pas. Ok, bon bah. C'est vraiment. Okay. C'est donc vraiment, en gros, vraiment tu pètes ta gueule. C'est vraiment pour redescendre. Il a le potentiel de faire un Tetris. Ouais, 3 lignes, ça envoie 2 lignes à l'adversaire. Un Tetris pour une ligne de plus, ça envoie 4. Sinon, il allait forcément créer un trou avec sa pièce. Ah, mais non, pas du tout, parce qu'il avait le hold et il avait une autre pièce très très bien, justement. Mais dans le hold, il avait la barre, justement. Oh, oui, la barre, c'est il est bien. Pas bon, tu nous emmerdes. Allez, Max, là, en vrai, il est bien. Max, là. Bon, il nous balance trois lignes encore, malheureusement. C'est pas grave, il se clean. Ah, il fait un petit combo, il a raison. S'il se sent à l'aise, le man, et il faut qu'il fasse comme il se sent à l'aise. Par contre, il y a un truc qui est chiant, c'est que si tu switches d'item, enfin si tu switches sur Tetris, tu peux pas revenir sur l'item précédent si t'as fait une connerie. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas switch infini. Ah oui, sinon c'est craqué. Max qui construit pas trop mal. Max il est pas mal, il faudrait des cubes quoi. Ouais, il lui faut des cubes là, il lui faut des cubes. Dès qu'il a des cubes, c'est bon. Hein. Yosh. Je sais pas où la mettre. Mais garde, mais au-delà. C'est bien ça, Nanix, c'est bien. Mal en vrai. Nanix qui construit propre. Non. Oui, laisse sa ligne. Oh là là, il va le poser comme je veux. Oh là 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 là. Oh non, oh, il a hold. Il a hold les lignes. Et ça, sans fast fall, hein. Sans aucun fast fall. Il utilise uniquement la chute classique. Ouais. Allez, Max qui arrive à sortir un petit peu du bourbier là, qui enchaîne 2-3 petits combos. Il ouvre sa ligne, Nanix. Par contre, il n'a pas de barre. Pour le moment, c'est compliqué là, c'est compliqué pour Max quand même. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Là, il faut peut-être la garder celle-là. Ah, c'est bien, Max, bien joué ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de sa barre à gauche ou au centre? C'est défenseur central, hein, Nanix. Donc, il met au centre, okay, hein, évidemment. Le fait qui peut servir, voilà, nickel. Ça, c'est pas vous du tout. Allez, on continue. Max, et là, c'est pas fait. Tu peux y aller, Max. Et là, on barre. Let's go. Ah oui, putain, mais il y avait un trou. Mais il y avait un trou, malheureusement. Un trou dégueulasse. Continue de faire des hits, Nanix. Continue de faire des hits. Voilà, hold et fait des hits. Ok, le T qui pose. Il est pas mal, Mister T. Max, il est pas mal. Là, ce qui arrive, ça remonte. Ça redescend pas mal. Il était vraiment dans la merde, Max, pour le coup. En vrai, il a une barre à gauche qui fait peur à Nanix. Là, vraiment, si ça continue de monter, il va se faire baiser. Je pense qu'il est mieux là, Max. Ouais, le Max est mieux là, je pense. Comment il est descendu convenablement. Switch celle-là, mais bon, c'est pas grave, il a préféré c'est la garder. Grave. Faut switcher un moment. Ok, nice, c'est bien. Allez, on switch là-dessus. Nanix la pression, Nanix la mort, voilà. Nanix l'impossibilité, Nanix dans les cordes. Incroyable. Oh, cette ligne sera la dernière ligne d'avant. Et bien son salut. Oh, 0-0. Bien joué, Max. Bien joué, Max. Je suis à chier, putain, je me sens tellement pour faire de la merde. Ça va, franchement. Et alors, Max, c'est pas votre jeu, les gars. C'est ça. Putain. On reviendra sur FIFA, on en reparlera. Non, mais personne ne veut jouer à FIFA. Mais il n'y aura pas FIFA. Mais si. Il n'y a pas FIFA dans les jeux. Il n'y a pas FIFA. C'est de la merde. Ah bon, il n'y a pas FIFA. Oui, bah, grand bien nous fasse. Il avait pris Worms. Il y avait Worms et au final, ça a été annulé parce qu'il sera pas. Ah merde. Il faut Mario Tennis la dernière semaine par contre. Mario Golf. Par pitié, Guitar Hero. Et un Mario Tennis. Mario Golf, c'est même pas dans les jeux. Je sais pas comment ça. En vrai, Mario Golf. À droite, le cube à droite. Ça peut le faire, mais. T'as testé un petit peu Mario Golf? Ouais, mais non, mais je peux pas me permettre de perdre. Il faut que ce soit Mario Tennis. Ouais, j'avoue. Moi, je me suis fait fumer là dans les. Il a raison. Je me suis fait Rocket League et TPK aider. Donc, ouais, c'est vrai. C'est pas de la faute de TPK en vrai. Mario Golf, je t'ai vu jouer, je pense que tu peux gagner. Oui, mais il y a pas Mario Golf. Non, mais par contre, il nous faut Guitar Hero là. C'est bien ce que tu fais, Max. Pas du Guitar Hero. Ouais, Guitar Hero, j'adore. Histoire que Max roule enfin sur tout le monde. Allez, par pitié. Ah bah là, Guitar Hero, Max, il nous casse la gueule. Allez. Non, Max, t'as trollé là.
Non mais c'est pas. Non, non, il est super, bien. Il est super. Regardez, Tetris 1 et la back to back Tetris pour un point de plus. Et là regardez, oh là là, Max. Max qui est très très bien là sur cette partie. Régal. C'est ta fille qui est tombée, c'est ta fille. Max qui a donné la manette à sa meuf. Là vraiment le. J'ai mon mili. J'aimerais pas voir le truc de la gagné. Que vu ce qu'il a pris. Elle est bien, elle est tellement plus forte. Ah, bah, je suis sûr qu'elle est. C'est pour ça que j'ai dit ça. Je suis sûr qu'elle est fière de toi, Max. Ah, j'espère. Derrière ton écran, vois ce que tu prends. Vu son classement. En vrai, là, ce que t'es en train de faire, c'est pas mal du tout, Max. C'est pas mal, hein. C'est build. Hein. C'est Nanix, il s'en sort bien. Build, hein. Par contre, il faut que tu fasses build, Max, parce que là, il faut y aller. Là, il faut y aller. Là, il faut y aller. Il est en train de revenir très très rapidement. Allez, attends, allez. Quoi? Mais pourquoi tu l'as pas? Non, vas-y, vas-y. Mais il a raison, il a raison, il attend. Il a... Mais il est mort. Max, mais ta barre, bordel. Voilà. Bon, il a fait pas mal de trous, mais la barre tue. La barre, du coup, il le tue. Du coup, il le tue. Bah oui. C'est bon. Allez, Beatle. Beatle, c'est trop long. Le dernier match. Est-ce que ça va continuer full Tetris ou full Puyo? Full Puyo. Beatle, il a un Puyo, là, je le sens. Ah, Beatle, il a son Puyo depuis tout à l'heure. En plus, il est en confiance, il a gagné contre Maxildan. Et Maxildan bat Nanix, donc là, la logique voudrait que Beatle s'en sorte bien là contre Nanix. Et Nanix, il est vénère, hein, on le regarde. Ouais, Nanix, voilà, ça y est, maintenant il est prêt, il est très très prêt. Et à un moment donné, là, il veut tout donner. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il est souvent plus commentateur que joueur, c'est la pression. Nanix, tant de Puyo, joueur, la pression des tournois. J'ai hâte que tu joues. Tant de Puyo, Nanix. Allez. Non mais... Non, Nanix, mais parce que Tetris, tu le battras jamais, gros. Nanix, il réfléchit. Nanix, franchement, sur Puyo, tu peux. Non, il met les pièces un peu n'importe où, ça peut faire des trucs. Hein. Nanix, t'es le meilleur joueur de Puyo. Sur Tetris, t'as aucune chance de gagner, je pense. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est parti. Allez, on est parti. Putain, la game est partie très très vite et on est parti. Donc, du coup, Puyo contre Puyo. Ouais, Puyo contre Puyo, finalement, le jeu qui est très très populaire, hein, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Je pensais que personne ne l'avait dit. Je te l'avais dit. Ce mode-là, mais. Quand au on final, voit Terry jouer, ça nous donne des ailes, évidemment. Enfin, je veux dire. C'est juste que vous n'avez jamais collé Tetris. Vous êtes les seules personnes au monde à pas avoir collé Tetris toute votre vie, quoi. Donc, c'est un non, peu, non, la moitié de la population. Bah, non, c'est un peu le seul jeu que t'as quand t'avais une Game Boy à l'époque, tu vois. Donc, le all-in-one que j'avais, gros. Le jeu, il est gratuit sur Switch en plus. C'est le free-to-play de la Switch, mais vous n'aimez pas Nintendo. Pas du tout. Mais t'aimes pas Nintendo, toi, Gigi, de toute façon. Non, mais c'est pas pareil, je ne suis pas comme toi. Mais arrête. C'est pas pareil. Non, en vrai, Tetris, c'est vraiment un truc que je osais dire. Ouais, je comprends. Je comprends totalement. Des trucs depuis tout à l'heure, non ? Là, c'est pas mal. Là. Franchement, les petits combos sont faits. Hein, côté Beatle. Il fait deux hits, il pique un peu et ça fait des dégâts. Mon avis, c'est efficace. C'était la game de chauffe. Chauffe-le, aucun temps. C'était la game de chauffe, Nanix. Monte-le en l'air. C'est bien, Nanix, c'est bien. Détruis tout ce que tu peux. Réunis des bouquets de 4 couleurs. Ouais, non. Oui, les jaunes à droite. Ah, dommage. Les jaunes à droite. Ouais, ça ne tourne pas. Ah, et là, ça rend fou. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. En régie, on voit Nanix jouer. On pète un câble. Nanix, t'es le boss. Nanix, j'aurais jamais dû prendre Puyo. Mais si, Nanix. C'est la balle de match pour Beatle. Balle de match pour Beatle. Incroyable, Beatle. Beatle, tu pourrais faire revenir. Il joue pour qui, Beatle? Beatle, il joue pour Ted. Pour l'association. Malheureusement, même si Beatle finissait premier ce soir, peut-être serait dernier au général, donc c'est dur. Ça régale pour nous. Mais c'est Nanix qui joue pour Ted. C'est Nanix qui joue pour Ted. Je crois pas finalement. C'est Beatle pour Ted. C'était marqué sur les comment s'appelle. Non, sur les scores justement, c'est marqué. Le score, il a marqué le contraire. Où il est bien joué ce 2 hit, c'est bien ce que tu fais, Nanix. Mais il faut que tu réussisses malheureusement, il faut comme quoi. Oui, là, non, c'est bon. Dans l'autre sens. Nom de Zeus. Il rend fou. Il y a quand même un petit combo qui est posé là, mais c'est pas c'est que suffisant. Des 1 hit, ça fait rien. En fait, Nanix, il faut qu'il tombe deux fois, tu vois, les trucs. Parce que là, t'as fait un seul hit alors que t'avais deux couleurs différentes. Galère de fou, quoi. Au pire, elle pose tout n'importe comment. Ouais, j'avoue. J'avoue, randomise. Mais genre, tu les poses toujours à droite là comme ça. T'as l'impression qu'elles sont ensemble. Tu poses tout à droite, voilà. Tu les poses à droite et à fond, comme ça. Et t'attends de voir si ça. Là, par contre, comme tu vois qu'il y a quelques trucs gris, essaye de faire des 4 là pour les casser. Voilà, tes bleus, pète-les. Très bon conseil. Très bien, voilà. Tu t'enlèves cette merde. Habitel refait encore un. Habitel, il s'en sort très bien, lui. Lui, il clean son écran. Voilà. Ça c'est propre, c'est pas mal. Ça droite très bien. Droite, non. Voilà. Là ça fait combo, petit Nanix, combo, tu petit vois. Combo, tu vois petit combo. Parce que ça tombe. Beatle il est là. Beatle il est pas là. Il est là, mais par contre il vit trop. Nanix t'as tourné exprès. Faire des vies en même temps.
Là, t'as fait exprès, ouais. Mais non, mais c'est la vache, la vache. Mais pourquoi tu Après, c'est pas un puissance 4, c'est vraiment. Les trucs doivent se coller. C'est terrible. Non, non, il y a pas de délai, c'est vraiment. Oh, Nanix. Oh, Nanix, merde. C'est pas là, non. Attendez, c'est peut-être une technique, on n'est pas au courant. Juste quand t'es dans une colonne, tu sais, quand t'insères dans une colonne. Voilà. Mais putain. Mais Nanix, c'était parfaitement mis. Ça rend fou, Nanix. Encore. Non, Nanix, Nanix, attends, il faut qu'on vérifie si tu fais pas un AVC là. Parce tu sais que si tu détruis pas des couleurs, à un moment l'écran il est rempli. T'as perdu. Le bleu. Merci. Merci, quand même. Merci la vie. Oh, non, mais tu mérites de perdre, soit trop tard. Tu mérites de perdre, Nanix, je suis décédé. Là, Nanix, c'est plus possible. Non, mais hey, là, c'est plus possible. Je reprends les mots de Max, j'arrive même pas à voir les couleurs qui arrivent. Le flou. J'arrive même pas à voir C'est pas grave, Nanix, on t'en va pas. Quand tu passes le permis la première fois. Bien joué, en tout cas. Incroyable, on va voir le classement de chaque. Putain, on est 3 à égalité, du coup, on est 3-3-3. Ça va être à moi de jouer. Bittel, Genius, moi. Oui, mais c'est Jiraya qui a plus 2 qui est devant. En revanche, Genius et Bittel sont à égalité. Parce qu'il a fait des 2-1, c'est pour ça. Qui a gagné entre Genius et Bittel? Non, j'ai pas. C'est Genius qui a gagné. Donc c'est Genius. J'ai jamais fait 1, j'ai toujours fait 2-0. Mais pourquoi t'es devant alors? Parce que j'ai fait 2-0 quand j'ai gagné. Il a fait 2. Lui, il a gagné. Et les amis, c'est le moment d'accueillir le roi. Oh là là, putain, j'ai hâte. Vas-y. Il suce ce Nintendo depuis 35 ans. Il entre dans l'arène. Quand il sourit, il y a marqué Nintendo sur les dents. J'aimerais pas les faire à pied. Et là, messieurs, dames, c'est l'apothéose du match de ce soir. Aïe. Imagine, il se fait arracher sur partout. Et là, en vrai, il n'y a même pas besoin de caster. Là, juste, tu montres la cam de Ken. Est-ce que du coup, Ken peut faire un coup Tetris, un coup Puyo? Non mais son adversaire choisit. Chaque adversaire choisit. Ok, d'accord. Non mais c'est. Je vais choisir ma mort, d'accord. C'est ça. Ah, choisir un autre jeu. Alors, tu choisis quoi? Choisis Tetris. C'est le mec qui a pas compris. Non mais toi, oui. Non mais Nanix, toi tu choisis Tetris. Ouais. Mais tu choisis quoi pour Ken? Ah, Tetris aussi, pareil. D'accord. Oh, ça va être tellement beau. Oh là là, il s'en sait contrôles. Ça va être tellement beau, il a la lettre. Oh là là, il en a rien. Il va se mettre à morphoser, c'est contrôle, je te dis. Fais les contrôles. Là, ça va être intéressant. Tu veux que je joue quel mode? Tetris. Tu veux que je joue Tetris? Et là, on va voir le visage de Ken se transformer. Oh, Ken! Là, vous allez voir ce que c'est que jouer à Tetris, les gars. La juge est complètement abusé depuis Disney. Il en peut plus. Oh, le personnage qui prend! Abusé, gros! Non! Ah, vous dégoûtez, putain! Il a pris le meilleur voilà, perso! Voilà, c'est passé quand j'étais comme Genius! Allez, c'est parti! Allez, c'est parti! Il va tuer! Oh là là! Oh la merde! Merci d'avoir suivi ce challenge! On va couper! C'est terminé! Oh là là, il garde ses combos! Waouh! What a play! Oh la masterclass! On va lui mettre la max! Il joue avec l'écran du retour, avec du lag, et il va plus vite que Nanix. Je joue avec l'écran Nanix. C'est abusé, gros, son level. Il tient le monde. C'est très grave, putain, Ken, trop fort. Mais what the fuck, Step, bro? What the fuck? Il va plus l'écran. Oh, il est vite fait. Il est vite fait. Mais putain, mais Step Ken, what are you doing? Au secours. Mike, il construit plus vite. C'est Nanix, c'est bloqué dans la washing machine ou c'est comment? La washing machine. Putain, mais je ne vois plus rien, bordel. C'est les Twin Towers. Allez, regardez son niveau, il joue sans écran, il est si fort. Non mais c'est fou, Et par contre, écran total.
qu'est-ce que tu fais? C'est fou, Allié. Ah, je m'amuse. Oh non, il joue avec la nourriture. Alors ça, non, oh, moi c'est non. Affreux. Non, un peu de fair play. Écrase les gens, écrase les gens, ça fait de faire mais ton gros orteil sur la nuque là. Dans la bouche, dans la bouche, dans la bouche. C'est sur la nuque, évidemment. Aïe. La fameuse. Tente-toi. Arrête, le mec est dans la vue sur son vaccin. Lui. J'avais vu un mec qui avait aussi mal sur ça les épaules. Ça me tue, mec. En fait, si tu veux, dès qu'on touche, ça me fracasse. Non, mais oui, c'est un bleu. Bon, d'accord. Nanix, belle prestation. On peut l'applaudir quand même parce que. Oh, mais il a gagné sans écran. Mais il a. Ah, il a gagné. Mais what the fuck. Il a gagné sans écran. Oh, il a activé son Sharingan. Je suis mort. Il est trop fort. Oh, c'est l'Okage. C'est l'Okage de Tetris, frère. Je joue avec l'écran de Nanix. Je serai aussi expéditif avec tout le monde. Vraiment. Norman, ça va? C'est à mon tour. Arrêtez, mais Nanix, ça les larmes. Nanix, ça les larmes. Mais ça va aller, Nanix, en vrai. Oh, c'est bizarre, frère. C'est le vaccin, je crois. Dessus, j'ai chaud. Mais c'est ta bite. Ken, s'il te plaît. J'aimerais que tu me baisses sur Puyo. Ah, Puyo, d'accord. Mais moi, je vais jouer Tetris. Ah d'accord. Oh bah dis donc. Ah c'est bon. Ken de retour. Mon écran est revenu. J'ai un peu l'impression. Il est de retour. J'ai l'impression de pas avoir pu démarrer la game. Quel level. Ouais bon bah je pense que ce sera un peu tout sport. Ça va aller très vite. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Franchement. Allez, hey, mec, impressionne la terre entière. Moi, je suis impressionné que tu puisses encore t'asseoir. Hein, que... Il va trop vite. Mais allez, regardez, la construction est énorme du côté de Ken. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, mais Puyo, mais qui fait des colonnes énormes. Il prépare. Ah, le maître crépier, regardez bien sur le combo. Ça va être sale, ça va être sale. Ça va être sale. Ça va être sale, c'est une mec. Ça va être vilain, mec. Oh, la dinguerie. Oh, la Blue Waffle, je la vois arriver. La Blue Waffle. Qu'est-ce que j'entends? La Blue Waffle. T'as pas envie de savoir. Tu veux vraiment pas savoir ce que c'est la Blue Waffle. Je la vois arriver. Allez, ouais, il a. Oh là là. Attention. Oh, c'est à chier. Attention, là ça va arriver, ça va faire très très mal. Bof bof hein, le niveau de Ken. Attends, mais c'est une blague. C'est une blague, il est à chier en fait. Mais oh, mais gros, fais un combo. Merci ouais. GeoGuessr. Oh non. Attention. Oh, c'est nul. Il est meilleur. Ouais, là mon gars. Ah non. C'est grave. J'ai quand même à dire qu'on lui prépare une pipe au miel. J'ai quand même à dire qu'il y en a deux qui ont dit oh il a chié du niveau de Ken. Non vraiment j'avoue de... C'était pour la pression. Il a chié. Ça va, il lui fait un 2 hit combo. Il lui fait la moitié du stage. C'est abusé. Son level. En plus j'essaie de faire des trucs mais c'est... Oh bien joué en vrai. En vrai, Apparemment, Max s'appelle en vrai. Non, mais il va si vite. Ouais, calcule pas si vite. Après, contre Xari, on va voir. Non, mais là, il a une longueur. Oh la masterclass, c'est terminé. Il a une longueur d'avance. Il est trop fort. Oh, il va si vite. Je vais appuyer au pif et je vais me dire si jamais il y a une dinguerie. Ah ouais, quand tu fais oh. Ah ouais, c'est trop speed quoi. Moi, j'ai peur de pas pouvoir m'asseoir, vraiment. Oh la vache. On peut déclarer forfait. Est-ce que je peux aller? Ah vas-y, let's go. Max, anus fumant actuellement. Vraiment, c'est. Vas-y, Steph. Ah ouais, la vache. Tu peux t'asseoir sur la bouteille sans toucher les bords là. Là vraiment, c'est gravissime. Génius, oublie pas que t'es le plus rapide à Tetris ici. Par contre, Ken, je suis impressionné. Non mec, là ce que t'as vu, là c'était rapide mec. Regarde, c'est ton jeu. Ça se voit que c'est ton jeu. Quand on a joué à Rocket League, j'ai pas vu de trucs incroyables. Fulgurant. Je sais pas, je saurais pas dire c'était le jeu de qui, tu vois. Le jeu de qui, mais j'ai aucune idée, je crois que c'est le jeu de Ted. Mais je joue en quel mode? Fais-moi Tetris, régale-moi. Ouais, régale-moi. Et tu veux perdre comment du coup, Génius, en Tetris? Je vois qu'il me défonce en Tetris. Ok, d'accord. Ce que j'ai vu là, c'était. Il est trop fort, gros. C'était impressionnant. C'était impressionnant. En tout cas, en vrai, il est pas ouf. Merci Ken de m'avoir offert ce prologue. Vraiment, ouais. Écoute, je t'en prie, par contre, en vrai, c'est sexy. Hein. Autant Ken, je t'avais vu jouer du coup une fois, notamment sur le stream. Le truc sur Xbox là où tu jouais pour quelqu'un. Le Pringles. Ouais, le mec t'avait battu et j'ai vu ça. J'étais en mode bon, en vrai. Okay. En vrai, il est pas fou. Là, je te vois jouer, je suis en mode non, clairement, jamais ma femme te prend un seul rendement. Ah ouais? Ouais, je croyais qu'il y avait moyen, mais en fait. Mais moi aussi, j'avais oublié de dire de ce Pringles où tu t'es fait un peu laver, mais gros. Oh, il fait que des petites attaques! Mais même, je l'avais déjà vu. Oh le combo! Oh le 7 combo, mon pote! Mais what the fuck? Il fait que des petites attaques! Attends! C'est ça! Des petites attaques! T'es mal à la tête de
Ken. Mais attendez, en fait, il y a un truc qu'il faut bien comprendre. Non, mais on est où là? On est sur scène à la Paris Games Week. Quand Ken anime ou quand il est concentré et qu'il parle pas, c'est pas la même du tout. C'est pas du tout pareil. C'est absolument pas la même. C'est un génie. Parce qu'en fait, quand il parle pas, il est à son prime. Ah, mais là, il est full concentré, il calcule tout. T'as vu ce qu'il a fait? Il aurait flex. Il aurait flex. Regardez-le. Regardez-le. Il aurait pu tuer Génie s'il l'a pas fait. Non, mais c'est grave, c'est grave, c'est gravissime. Il choisit la mort. Le niveau. Cet homme choisit la mort. Ah ouais, non, il est là, il est là, il est là. Oh là là là, le back to back. Regardez, il choisit la mort. Son regard est vide. Bah oui, c'est ça, il a aucune émotion. C'est la mort le plus en vie. Il a la des yeux. Il choisit déjà à l'avance les pièces. Il choisit la mort. C'est incroyable, il est trop fort. Attends, mais excuse-moi, mais le viewer, que c'est pas un viewer, c'est le champion du monde de Tetris. Non, mais franchement, il l'a laissé gagner, gros. Non, mais c'est grave. Ken a laissé gagner le viewer, il n'y a aucune autre explication. Le viewer n'avait pas ce niveau du tout, gros. Ah ouais. Oh là là. Gros, mais j'ai encore perdu une action, frère. Non, mais gros, mais c'est trop, frère. Il est bon. Il est là. Mais bon, je pense que je peux lui prendre un round. Non, vraiment jamais, quoi. Jamais je te prends un round. Moi, je pense que je peux lui prendre un round. Mec, moi, je pense que je peux faire une ligne. Ken, tu sens un peu l'admiration dans nos yeux là. Genius, c'est sous. C'est à qui là, du coup? T'as mal, mais c'est pas le vaccin là. C'est à Gigi. C'est à moi? Allez, go. Allez, le roi de Puyo. Oh la vache. Gigi, Gigi, après c'est quoi? Jumpe, puis Xai. Ouais. Et après il y a moi aussi. Il y avait Vital avant. Il y avait Vital. Attends, c'est Vital maintenant. C'est moi maintenant. Ouais. Ok. Je joue bon, quel mode? Alors ok, je me permets, j'ai bien analysé ton jeu. Je pense que je te prends sur Puyo. Pas grave en vrai. On s'en fout. Et que toi tu prends Puyo. D'accord. Parce que Tetris t'es trop fort. Par contre Puyo, il y a un monde où je te détruis, je pense. Alors en vrai. Et regardez bien mon écran. Il va se faire laver. Mort. Ok, c'est parti. Hein. La vitesse de Ken, frère, c'est abusé. Oh mais attends, mais Gigi, il a fait la technique, la technique interdite. C'est bien, c'est ça, Gigi, la strat. Ouais, mais je pense que ça a peut-être suffi. Non, ça y est, Gigi réfléchit déjà, il a déjà là, ça y est, il a perdu. Oh, le combo hit pour Gigi, attention. Est-ce que ce sera suffisant? On a quand même cassé quelque chose, hein, côté Ken. Ken qui se retrouve peut-être dans la sauce là-dessus. Hein. Ken qui est au bout du roule. Mais il va peut-être s'en sortir. Oh non, pas de chat. Les petits combos là qui passent pas parce qu'il y avait une petite boule grise. Et là, Jiraya qui est ultra bien. Il est en train de lui montrer son zizi, littéralement. Ken qui est quasiment bloqué. Il a pas réussi à faire combo là-dessus. Mais là, le combo. Oh, le combo qui va. Là, 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 là. Ça y est. Le combo. Non mais c'est interdit. C'est interdit. Il t'a téléchargé. Non, c'était serré. Ok, je retente. En vrai c'était un peu serré. Parce que s'il avait pas les bonnes poules à la fin. Ken, j'ai une question. T'as bossé dans le bâtiment ou pas? Non, pas du tout. Non, non, mais il a battu très très fort. Il a battu pas très fort. J'ai fait mon stage de 3ème. Très très fort. Allez, il a fait un combo de 10. Ah non, ok, j'ai fait. Il a fait un 10 hit combo. Et là voilà, il continue à replacer. C'est vraiment. C'est déjà fini. C'est par cascade. C'est terminé. Là par contre, il y a aucune chance. Il joue plus. Ken, il joue plus, les gars. Il a pris une tornade de merde. En vrai, il y a un monde où je me fais enculer. Tu es déjà mort. Oh, la tornade de merde qu'il a pris. Genre, Ken, il était vraiment en mode, tu le sais pas encore. Mais tu es déjà mort. Oh my one. Bon, par contre, c'est au tour de Vittel. Vittel qui a montré des belles choses sur Puyo. Tu sais quoi? Est-ce que le chat se régale? Nous, on se régale, d'accord, mais le chat est fou. Vittel, le chat est fou. Il voit dans le futur, c'est un Jedi. Je sais pas ce que vous attendez, mais en vrai, le chat attend un moment. Tu sais quoi? Dès que la partie commence, je lance un chronomètre et on va voir combien de temps Vittel tient. Et je pense que ça peut être pas mal. En attendant, Puyo. Je peux vous dire que Xari observe Ken avec beaucoup d'attention. Le face. Je sais que t'as un jeu. Je veux voir sur ton jeu. Ouais. Là, tu vas jouer sur quoi, Tetris? Non, Puyo. De quelle manière tu peux troll au maximum? Au maximum, il faut que je grid à mort. Vraiment le flex infini. Non, non. Quoi. Le flex, c'est le full grid. Là, on est à 10 secondes de jeu. Il a déjà tenu 10 secondes de la côté Vittel, c'est pas mal. Il y a déjà des combos de prêt. Tout est prêt, côté Ken. Côté Vittel, on est dans le BTP, on construit. C'est le 100 hit combo là. On est sur les bases.
Alors que Ken installe le toit. Hein. Le truc que fait Ken qu'on fait pas assez. Allez, premier combo, il est pour Bitel. Attention, le premier combo est pour Bitel. Peut-être, attention, on a quelque chose au niveau de la croix, là, on va réussir à poser. Ça part, ça part. Le hit combo. C'est parti. Allez, on est à 46 secondes la Bitel, c'est pas mal, c'est bien. Et attention, ça va reposer derrière. Oula, c'est ce qu'on appelle la Bitel. C'est terminé, c'est terminé pour moi, messieurs dames. 53 secondes. Masterclass continue là, 53 secondes. C'est quasiment la minute. Attendez, Xary, attendez, Xary. Mais quel plaisir. Par pitié, donnez-moi Guitaro. Allez, par pitié, donnez-moi Mario Tennis qui mette pas un point. Qui mette pas un point. Allez. Ouais, je regarde ce que j'ai tout le temps. C'est... J'en ai rien à battre de mon écran. Allez, c'est reparti. Le doublé de combo avec le 2 chains, mais c'était pas mal. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. Ah oui. Ah oui, tu regardes à droite en fait. Ouais, je regarde juste ce que je vois. Ah ouais, j'ai pas vu l'écran. Mais comment tu sais où tu poses les trucs? Bah, je sais. Bon, c'est pas un spécial. Ah ouais, non, mais gros. C'est trop intestable, c'est injouable. Comme Akira qui joue à la Tetris. Voilà, masterclass, gros. Ken, question du chat. Combien dure une partie entre pros? Entre pros, bah en vrai ça joue beaucoup sur le combo de départ, donc je dirais une trentaine de secondes, mais les parties accrochées ça peut durer une minute. Ouais. Ah ouais. Allez vite, viens avec moi, c'est chaud. Une pec qui rentre dans l'arène. C'est assez similaire à une game de jeu de baston en fait. Oui, un round de jeu de combat. Toumpec a analysé le jeu de Ken en long, large et travers. Allez, let's go, c'est parti, messieurs dames. Et Ken, tu vas partir sur Tetris. Le meilleur joueur du monde, c'est qui? Le champion. Et tu vas l'envoyer sur Puyo, le meilleur joueur du monde. Genre, le meilleur joueur du monde de Puyo Puyo, c'est. Genre le Daigo de Puyo. Le Daigo, il s'appelle Kumachum. Et il est horrible. Il est très très fort. Tu l'as déjà battu? J'ai déjà joué plusieurs fois contre lui. Mais non! T'as pris des rounds? J'ai pris des rounds. Oh, il a pris des rounds, messieurs dames. À Puyo, prendre des rounds, ça peut arriver sur un lucky, sur un truc chanceux. Ah ouais? Vraiment, ouais. Tu sais, tu utilises la bonne stratégie, genre tu joues blitz et plus rapide, et lui il est parti sur une stratégie et sur Tetris, t'as déjà pris des games à des mecs monstrueux. Akira, c'est toujours Akira le boss? Non, c'est Kame... Rage, Kamegame. C'est Kameto. Wombotize, je pense. Kameto. Oui, bien sûr, c'est Kameto, ouais. le Master Crash. Tu l'as jamais joué? Non, je l'ai jamais joué, mais impossible. Tetris, j'ai genre... Mais pas le niveau. Le niveau au-dessus, enfin, vous imaginez pas. Franchement, on n'imagine pas. Akira, pas le niveau. À Tetris, j'arrive pas à ne pas regarder mon écran pour poser mes pièces. Les meilleurs joueurs ne regardent pas leur écran, ils regardent que les pièces, ils sont déjà dans l'avenir. Akira, ils jouent invisible. Et c'est T-spin, T-spin, setup, T-spin, T-spin. Ah oui, non, mais d'accord, il y a même pas de Tetris dans leur truc. C'est trop dur. Alors que Jumpes, Jumpes confiant, évidemment. Alors, je prends Tetris et tu prends Puyo. Tu prends Puyo? Ouais. Ah. J'entends-tu le ouais. Tu prends Puyo? Tu prends Puyo? Et en vrai, quitte à se faire mettre, sûr, mon gars, autant le faire bien. Ouais. T'es sûr, hein. Mode, t'es sûr parce que t'avais plus de chance sur Tetris. Je pense qu'il y a plus de chance sur Tetris. Ouais, mais en vrai, non. En vrai, j'ai aucune chance dans les deux cas. Mais bien sûr. Non, mais en vrai, le plus rapide, le Puyo, c'est le jeu de Ken, les gars. Hein. C'est pas Tetris. Bitel, Bitel, Bitel. Ce que j'espère, c'est que tu grides un peu et que je place mon petit Tetris. Ouais, c'est ça. À Puyo, il suffit d'une seule truc et t'es mort. Il a raison, Jumpé, parce que honnêtement, sur Tetris, le plus rapide, c'était Genius. C'est ça. On a vu la vitesse à laquelle il s'est fait détruire par. Aucune chance, des fois. Franchement, en tout cas, quel honneur de se faire détruire par Ken ce soir, je suis ravi. Ah ouais, moi j'adore ça. Ken par Ken. Là, on s'est fait laver la gueule. Je me penche tous les jours. Ken par Ken. Je sais pas ce que vous voyez, mais c'est déjà parti. Ah oui, putain, les gars, c'est déjà parti. Ouais, mais moi j'ai pas. C'est bon, on a retour à l'écran, donc évidemment. Bon, bah Ken a déjà full build dans l'avenir. Allez, les premiers combos pour. Jumpé qui envoie, Jumpé qui envoie. Jumpé, il a pas le choix, faut qu'il fasse des lignes très vite. Là, il doit aller très très rapidement. Il a pas d'autre solution. Sinon, c'est la merde. Et Jumpé qui stresse un tout peu de là suite, oh, le hit combo qui est lancé par Ken. Ah, le 4, le 5, le 6ème. Je sais pas pourquoi je vais aller prendre 6ème. Ça va monter d'un coup. Oh, il a fait un 7. C'est terminé. Ça va monter d'un coup. Oh là là. Allez, des bisous de Jumpé, c'était cool. Oh la vache. Oh, j'ai kiffé là. Ah bah voilà, c'est exactement ce que j'ai pris, mon pote. Hein. Ça régale. Hein. C'est vrai que quand t'entends 3, 4, 5, 6, tu peux déjà poser la manette. Hein, ouais, c'est à peu près ça en vrai. Allez, Jumpé, il faut faire des lignes vite pour mettre la pression. Allez, il construit voilà. Rapidement le Jumpé. Voilà, il met des blocs tout de suite pour le contrer. Voilà, c'est ça. Mais Ken a été très intelligent, il a lâché directement un petit truc histoire d'empêcher tout de suite. Petit erreur de Jumpé là, en termes de construction. On a paniqué, on a fait une Genius. Ah, la fameuse. La fameuse.
Ken est en train de construire très très rapidement en fait, là-dessus. Non mais ce qui est chum, c'est que tu sais que Ken, il est dans un état de flex incroyable. Bien sûr, mais bien sûr. Il a zéro pression quoi. Là en fait, Ken, il va poser la manette dans 3 secondes et c'est terminé. Il y a un combo qui va partir instant. Le combo va partir. Regarde comment il build. Il le prépare. Oh, il y va jusqu'au bout. Et c'est parti. Et c'est parti. 3ème étage, 4ème étage, 5ème étage, 6ème étage, 7ème étage, 8ème étage. Ça marche pas. 9. Oh my god! Il a dit ça marche pas! Combo, quoi. Ça marche pas, il a gagné! Non, normalement il y avait 2 hits de plus, mais c'est pas grave! Oh non, mais la gueule qu'il a! Mais la gueule qu'il a! Le flexeur infini! Oh, mais Ken ce soir qui est dans le flex le plus total! Ladies and gentlemen, le seul homme en France qui peut peut-être éventuellement faire suer Ken Bogard, il est là! Attention! Rappelez-vous son palmarès! Attention! Un 6-0! C'est le choc des titans dans le Stream Challenge, messieurs dames! Ah les gars, je vous dis, j'adore! Le Stream Challenge, c'est trop bien, gros! Mais après, on se régale, on se régale! C'est pas l'argent en jeu, ce sera encore mieux! Je peux vous dire! Excusez-moi! On va parler quand tu verras! Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir un mot du face avant je suis un peu impressionné, hein, je dois vous dire, je joue contre le leader actuellement de la poule. Bah non, techniquement, c'est ça. Bah, il y a 6-0, 6-0. Ouais, 6-0, mais t'as fait que des 2Z alors que. Tetris. Xari, Tetris, au moins, ça va durer un peu plus longtemps. Donc, Xari, allez, Xari. Xari, un petit mot. 1000 euros sur Xari. T'es chaud là. J'aurais aimé retourner contre toi, mais on joue après. J'ai fait Tetris et j'étais chaud. Il abandonne déjà. C'était bon. Xari pas confiant, mais c'est un peu le face demain. En fait, Tetris, je sais que c'est un peu. Xari pas confiant, mais prend le rôle un peu de l'outsider. Tout à fait, bien sûr. Allez, bah là, il va complètement réussir à prendre. C'est parti pour Xari. Xari qui est battu en vitesse. Xari qui commence tout de suite à Il est battu en vitesse déjà, parce que Ken est déjà en train de. Sans déconner, il est battu. Bon, bah Ken a déjà fait une. Bah gros, il a fait une étagère Ikea, frère. Xari, tu vas passer vite, par contre. J'ai très peur de ce qui arrive. Non, mais j'ai très peur de ce qui arrive. Xari, t'amuses là, tu vas passer vite. Ça va tomber. Xari, vite. Xari, plus vite. Ça y est, et Ken a déjà arrêté de jouer. Voilà. Ken avec son casque de chantier, évidemment, qui attend la bonne opportunité. Allez, voilà, le back-to-back Tetris, messieurs dames. Allez. Oh, ça va faire très très mal là. Ça va taper très vite du côté de Xari. Aïe. Attendez, hein, il est déjà en train de rebuild. Ah là là là, le Tetris en back-to-back. Il donne une leçon de construction, vraiment. Là, c'est hallucinant. Là, c'est terrible. Il attend. Oh non, regardez-le, La lente agonie. Oh là là là. Oh, il continue, c'est le 4ème Tetris. Oh là là. Il s'est terminé. Oh là 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 là. Putain, mais Xari, t'es à chier. C'est trop dur. Il a laissé gagner, t'as écrit toi. Oui, pardon. Ken est le seul être au monde qui peut faire la porte. Est-ce qu'il y a un monde où il prend une game? Non. Non, vraiment pas. Je vais faire la stratégie de je m'ai fait n'importe quoi. Bah oui, moi j'ai fait ça tout à l'heure. Ça a pas marché. Si, ça a bien marché. Ça a bien marché, j'y ai pris rien. Mais sur Puyo, j'y ai mis 2-3 blocs quand même. Le fast qui est beaucoup moins rapide hein, sur cette game. Allez, va plus vite, Xavi, va plus vite. Vas-y, Xavi, ouais, super. Allez, Xavi, là, tu peux nous. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça, Xavi. Oh, Xavi. Ah, y'a rien d'autre. Ah, c'est 2, dommage. Simplement 2. C'est bien. Simplement 2. Allez, Xavi. Quand même, c'est quand le violet il est enfermé là, t'es un peu baisé. Alors que Ken. Ken il envoie. Xavi, il met trop de temps, il réfléchit trop. Aïe. Oh, le T-Spin double. Oh, le T-Spin est double. Oh, c'était excellent ça. Oh, il nous flex à la gueule quand même. Allez, Xavi, tu peux t'en sortir normalement avec les prochaines pièces qui arrivent. Ouais. Le violet. Ah. Impossible, beaucoup trop fort, bien joué. Mais c'est là en fait. C'était pas mal. Au moment où j'allais faire genre un 3 hit combo, il y a tout qui tombe. Je suis en mode bah vas-y, c'est trop dur. Bon les amis, on arrive au bout de cette émission. Merci à tous pour votre participation. Merci notamment à Bitel et Nanix d'avoir remplacé Ted et Nameless en leur absence. Merci les gars, merci beaucoup. On se retrouve évidemment le mardi prochain puisque la France a été à chier hier. Eh bien, nous pourrons faire un dernier le Stream Challenge mardi prochain. Le jeu sera tiré au sort demain dans le récap. Rendez-vous demain du temps pour le récap et dans quelques instants, c'est évidemment la pause. Bravo. À demain pour le journal. Ne vous inquiétez pas, salut à tous, sera sur le stream. Ciao. À demain. Bravo à tous. Bravo.